Bien, bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Bienvenue pour ce conseil communal post-marché de Noël et pré-Saint-Nicolas. Pour un conseil tout d'abord commun avec les membres du conseil de l'action sociale. Donc, c'est une tradition qui est voulue évidemment par la législation d'avoir une fois l'an un conseil communal commun avec le conseil de l'action sociale. Et donc nous avons souhaité, pour prendre, avoir en tout cas davantage de temps que lorsque l'on a un conseil traditionnel avec énormément de points, nous avons souhaité avoir une date particulière pour ce faire, même si vous le savez, pour celles et ceux qui ont lu l'ordre du jour et potassé tout cela, nous aurons également encore conseil communal juste après, avec toute une série de points et des points de grande importance. Alors, avant de débuter ce conseil conjoint, et donc une fois n'est pas coutume, c'est donc la présidente du CPS, Bénédicte Thibault, qui est à mes côtés. Je vais excuser donc toute une série de conseillères et de conseillers qui ne pouvaient pas être parmi nous ce soir. Donc, il y a les conseillères Nathalie Winans, Gwenaëlle Bombard, et les conseillers Éric Berthaud et Michel Brancard. Et puis avant de débuter ce conseil, vous me permettrez, même s'il y a un petit peu de bruit, d'avoir une pensée, on ne va pas faire une minute de silence, mais une pensée pour deux personnalités, deux personnages de notre ville qui nous ont quittés ce jour, et des personnes très importantes, puisqu'il s'agit tout d'abord de Willy Van Orebeek, que vous connaissez probablement pour celles et ceux qui sont abonnés aux cérémonies patriotiques de notre ville. Donc voilà, il nous a malheureusement quittés, et notre échevine des cérémonies patriotiques, Bénédicte Thibault, a pu déjà lui rendre hommage de manière publique tout à l'heure. Et une autre personnalité, c'est quelqu'un que nous avons reçu ici même au conseil communal il y a quelques mois pour mettre à l'honneur la Royal Arbalète Brennoise, dont il fut le président, dont il était encore président ces derniers jours. C'est Armand Bette. Et donc on a évidemment une pensée pour leurs familles, leurs entourages, évidemment tous leurs proches, mais aussi pour tout ce qu'ils ont apporté à notre vie communale. Donc ça me semblait important de pouvoir débuter en ayant une pensée pour ces deux personnalités de notre ville. Voilà, alors pour le conseil de l'action sociale, ça nous fait vraiment plaisir, d'autant plus quand on est comme ça en séance publique avec toujours une retransmission en direct pour la population, ben on va pouvoir mettre dans la lumière des personnalités de l'ombre, puisque les conseils de l'action sociale se déroulent traditionnellement à huis clos. Donc on ne connaît pas spécialement les conseillers de l'action sociale, et pourtant pour y participer régulièrement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail qui s'y fait, toujours dans l'intérêt du CPS. Et donc tous les conseillers sont présents sauf deux personnes, à savoir donc Nicole Vanhoff et Didier Laquet, qui ont tous les deux remis leur démission du conseil du CPS. Donc malheureusement ils ne sont pas avec nous ce soir, mais par contre tous les autres sont là, donc je vais vous les présenter, sauf si Béné souhaite le faire. Mais donc Marie-Josée Smets, Annick Van Bokestal, Michael Pierrard et Charlemagne, donc tous les quatre avec la présidente du CPS représentent la liste Brenne, et puis ensuite Corentin Maréchal et Dominique Brassard, tous deux représentent la liste, enfin le PS. Corentin est par ailleurs vice-président du CPS. Et puis pour la liste Ensemble, c'est Christine Bienvenue et Stéphane Reghem. Et puis juste à côté de Stéphane, ce n'est donc pas une conseillère comme CPS Écolo, mais c'est la directrice générale donc du CPS, Brigitte Dehaulin. Et peut-être que Katia Messina, ou pas, on verra, ne vient pas, d'accord. Donc on avait préparé une petite chaise aussi pour Katia Messina, la directrice financière du CPS, que vous connaissez un peu plus ici au sein du conseil communal, puisqu'elle assiste à la présentation des divers travaux budgétaires et de comptes. Voilà, donc toutes les présentations sont faites. Donc je vous propose qu'on puisse débuter l'ordre du jour du conseil commun, avec tout d'abord l'approbation du procès-verbal de notre précédente séance. C'était le 25 octobre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès-verbal, Monsieur le conseiller Damas? Oui, un an après, ce n'est pas toujours facile de se souvenir de ce qui a été dit ou pas. Mais si mes souvenirs sont bons, je m'appelais déjà Pierre-André Damas à l'époque, et non pas André. Donc, si vous vouliez faire la correction, ça m'intéresserait. C'est à la page 2 du procès-verbal, donc vous ne saurez jamais si je l'ai lu jusqu'au bout. Très bien, cher André. Pierre-André, pas d'autres remarques?
Non. Et donc, je remercie nos deux directeurs généraux, évidemment, pour la rédaction de ce PV. Ah, ça y est, il y a une petite erreur à Laurie Kaft. Donc, je remercie la directrice générale du CPS pour la rédaction de ce PV. Voilà, ben maintenant, elle sait que Pierre-André s'appelle Pierre-André. Alors, ça, c'était pour le premier point. Donc, pas d'autres remarques, tout le monde est d'accord avec l'approbation. Alors, le point 2, c'est le rapport annuel sur les synergies. Donc, comme vous le savez, hein, suite à la législation qui est applicable, le rapport annuel sur les synergies a été établi par les deux directeurs généraux. Voilà. Et d'ailleurs, on le voit dans le document, il y a parfois des polices de caractère différentes. Donc, on reconnaît la patte CPS, puis parfois on reconnaît la patte ville. Et donc, il y a eu des avis favorables, évidemment, au sein du conseil au comité de concertation ville-CPS. Donc, c'est un comité que nous avons réunis un jeudi. Je remercie d'ailleurs les membres du CPS qui étaient parmi nous dans cet hôtel de ville. Et d'autre part, vous le savez, nous avons également créé un groupe de travail Synergie Ville-CPS. Et donc, ce document a été également débattu déjà au sein de ce groupe de travail, avec donc des représentants qui sont soit élus ou non élus du CPS ou de la ville. Et puis, ben, évidemment, on vous met dans ce rapport de synergie toutes les synergies existantes. Alors, c'est vrai que pour les conseillères et les conseillers qui sont là depuis longtemps, il y a des redondances, il y a des redites d'année en année, il y a toujours les mêmes synergies, mais il y a aussi des nouveautés. Donc, on a mis évidemment dans ce rapport ben, tout ce qui est service de support, à savoir en termes d'achat, donc tout ce qui est marché, la maintenance, la RH, donc les ressources humaines, l'informatique. Et puis, il y a d'autres synergies un petit peu plus, j'irais, habituelles. Et donc, dans le rapport, vous avez vu aussi une mise à jour de tout ce qui est fait de manière plus récente entre nos deux entités. Et donc, voilà concrètement donc, le rapport. Donc, tout le monde l'a lu. On n'a pas fait de PowerPoint pour vous le présenter point après point. Si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. On peut le lire et réexpliquer dans quelle colonne on met les différents services communs. Mais en tout cas, je remercie évidemment les équipes du CPS et de la ville pour ce travail. Et peut-être céder la parole à la présidente si elle souhaite ajouter sur ce point des synergies à un mot avant de faire sa note sociale. Mais je pense que le travail qui a été accompli est quand même assez remarquable parce qu'il est complet. Et au moins, je trouve qu'on a une excellente vision des choses qui sont faites plutôt que, comme les conseils précédents, où on disait on remercie tel service pour telle et telle action. Je pense qu'ici, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus concret. Et ce qui est vraiment très bien dans ce rapport, c'est effectivement l'aspect de l'avenir et de ce qui peut encore être fait. Et je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant dans le cadre du rapport qui vous a été proposé. Voilà, donc je vais peut-être juste vous citer, c'est peut-être important, et puis céder évidemment la parole à l'ensemble des conseillers qui le souhaiteraient. Mais donc évidemment, au niveau des prospectives, on va dire ça comme ça, donc il y a la meilleure efficacité dans l'entretien des bâtiments du CPS, il y a la consolidation juridique et le télétravail à valoriser, harmoniser et globaliser les actions récréatives et socioculturelles, construire une réflexion commune pour la politique partagée de la personne âgée, puisque hier, pas plus tard qu'hier matin, nous étions dans les maisons de repos avec la présidente du CPS. Intégrer le CPS dans le plan stratégique de la communication de la ville, puisque vous avez vu qu'il y a tout ce plan qui est en train de se mettre en œuvre. Et donc, ben, c'est vrai que c'est important de pouvoir mettre le CPS dedans. Au niveau du Charrois, ben, définir une politique de gestion du Charrois sur les aspects du mode de financement et puis les aspects politiques, énergétiques, évidemment, et sur le partage du Charrois. Ensuite, en termes de patrimoine, mutualiser l'analyse et le programme de réduction des dépenses énergétiques. Bon, ça a déjà été globalement réalisé en cette fin d'année, mais c'est vrai que c'est un grand enjeu pour 2023. Au niveau des formations, donc améliorer l'efficacité dans le travail avec des formations communes. Et puis ensuite, en termes de contrôle interne, améliorer l'organisation du travail et stimuler la transversalité. Voilà. Donc ça, c'est en tout cas pour les...
les synergies pour 2023. Il y en a d'autres, évidemment. Et puis, il y a cette fameuse matrice de coopération avec un scoring. Donc, ce qui est important pour avoir une analyse, en tout cas plus scientifique, on va dire ça comme ça, de nos synergies. Voilà, je pense que le mieux, c'est de céder la parole aux conseillères et aux conseillers qui le souhaitent, qu'ils soient du CPS ou qu'ils soient évidemment de la ville, pour soit poser des questions sur ces synergies, soit mettre en avant des aspects de ces synergies. Voilà, qui souhaite la parole? Donc, dans l'ordre, la conseillère Anne-Françoise Petitjean et puis le conseiller Guévard. Merci. Je prends la parole ici au nom de Monsieur Berthaud, qui est absent aujourd'hui, mais qui fait partie du groupe de travail Synergie, justement, et qui tenait à s'exprimer. Donc, il est impératif que le groupe de travail Synergie continue sur la voie de la collaboration entre le CPS et les services de la ville. Le service aux citoyens est un enjeu majeur pour une meilleure efficience. Le monde de demain est de plus en plus complexe et difficile à vivre pour les personnes démunies. Nous pouvons et nous devons trouver des économies de fonctionnement afin d'augmenter cette aide à nos citoyens. Les synergies que nous pourrons développer entre les différentes composantes de nos administrations sont primordiales. Notre groupe de travail doit également avoir une vision à court terme des services que nous pourrons centraliser dans un même lieu à l'avenir en concentrant ceux-ci sous un même toit. Merci beaucoup, Éric, Anne-Françoise. Je dis tout de suite pour Brigitte que Éric, Anne-Françoise ne s'appelle pas Éric, Anne-Françoise, mais juste Anne-Françoise. Yves Guévard. Oui, je suis évidemment content que depuis quelques années, les synergies tendent à augmenter d'année en année. Donc on est parti sur des bases relativement modestes. Et puis on peut constater que d'année en année, il y a de plus en plus de synergies, ce qui est très important aussi au niveau évidemment financier. Car on peut avoir des économies d'échelle, on peut partager aussi de la compétence entre le CPAS et la commune. J'aime bien aussi ce que vous avez évoqué, c'est sur le futur. Par contre, comme j'avais attiré l'attention au niveau du groupe de travail, il y a aussi une synergie plus axée sur le logement. Je sais que c'est compliqué, hein, parce que on a la commune et le CPS n'ont pas beaucoup de logements, mais je trouve que ce côté-là devrait être encore amplifié, peut-être même en collaboration avec Hauts-de-Seine Logement, encore plus, je trouve, de synergie à ce niveau-là, parce que c'est un élément majeur important. Voilà, donc c'est en tout cas bravo pour aujourd'hui les synergies qui sont développées et qui, au fur et à mesure des années, augmentent. Merci, monsieur le conseiller Guévard. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Monsieur le conseiller Henri-Jean André, qui par ailleurs est le président d'Hauts-de-Seine Logement, donc dès que ça fait logement, tilt. Oui, comme on vient de le citer, je tiens à signaler que justement, on a des synergies plus que conséquentes avec le CPAS, puisqu'on a beaucoup d'accords avec la cité Ré, tous les alentours, et donc il y a plein de logements qui ont été construits, et il y en a encore 4 qui sont actuellement en construction, et nous avons même ici, tout récemment, octroyé un marché public pour faire un aménagement d'un petit terrain de balle pétanque pour qu'il puisse jouer à la boule, et donc le président offrira même un arbre en mémoire de ma petite chérie Gaëlle par rapport à Hauts-de-Seine Logement et pour au-delà. Donc les synergies, elles existent bien avec le CPS de Braine-le-Comte. Si Béné peut rajouter, je crois que tout se déroule pour le mieux. Je confirme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Oui, pardon, Martine, la conseillère David. Oui, donc, en fait, moi, je tenais aussi à remercier les deux DG qui ont, en fait, fourni un très bon travail, puisque le rapport que vous avez eu l'occasion de lire est vraiment non seulement un rapport bien détaillé, mais il est vraiment de très grande qualité. Et donc, ce que je voulais simplement ajouter, c'est que, outre les services de support, qui, eux, détaillent évidemment tous les processus qui peuvent être synergisés et ceux qui ne peuvent pas l'être, parce qu'il faut bien se dire que tout ne peut pas être fait sous forme de synergie, puisque la synergie, elle n'a de sens que
pour autant qu'elle apporte une plus-value, que ce soit en termes de rendement, d'efficacité ou bien d'économie. Et donc, je pense qu'il faut toujours laisser une latitude aux deux entités pour vraiment voir s'il y a vraiment une plus-value à faire, la synergie ou pas. Alors ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé de cette fameuse liste de synergies qui existe depuis des années. Mais moi, j'y tiens particulièrement parce que c'est la preuve qu'en fait, on n'a pas attendu le décret de 2018 à Braine-le-Comte pour initier les synergies. Et donc, ça démontre vraiment la bonne collaboration entre la ville et le CPS. Voilà, encore merci pour le travail qui a été rendu et merci aussi aux équipes du CPS qui œuvrent donc tout autour de ce rapport. Merci beaucoup, Martine. Pas d'autres remarques sur ce rapport de synergie ? Donc, tant les conseillers de l'action sociale que les conseillers communaux doivent en prendre acte et le voter, mais alors comment on fait du coup pour le... On l'accepte, c'est ça ? Il faut prendre le micro. Merci. Donc, en droit, sur base du décret de 2018, en fait, les conseils conjoints n'ont pas le droit de vote sur un document. Et donc, ce sont les conseils respectifs qui votent le rapport de synergie en même temps que le budget. C'est pour ça que le rapport de synergie doit être fait avant les budgets. Professeur. Donc, on le votera avec les budgets. Donc, la semaine prochaine, dans deux semaines. Merci beaucoup. Donc, pas d'autres remarques. Je vous propose de passer au point 3. On va essayer de garder le rythme du Conseil de l'Action sociale. Donc, les conseillers de l'Action sociale, n'hésitez pas à expliquer comment ça se passe à vos collègues du Conseil communal. Parce qu'une réunion qui va droit au but est une très bonne réunion. Donc, la note de politique sociale, Madame la Présidente du CPS a fait un petit PowerPoint. Alors c'est vrai qu'on est toujours dans cette idée, dans cette philosophie de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, mais évidemment ces chiffres sont très sérieux, sont importants, et je pense qu'ils mettront en lumière effectivement non seulement les réalités sociales de notre ville, mais aussi tout ce qui est fait en matière sociale et comment on compte évidemment réagir ou agir par rapport à cela. Donc je cède la parole à la Présidente du CPS. Merci beaucoup, Monsieur le Bourgmestre. Mais je tenais, au niveau de la note sociale, vraiment de vous faire comprendre, rien qu'au niveau du service social, parce que c'est clair que le CPS, je n'oublie pas la maison de repos, je n'oublie pas les crèches, mais ça fera plus partie d'une politique de déclaration associée au niveau du budget. Mais ici, je voulais vraiment que vous preniez conscience au niveau de l'évolution de tout le service social. Parce que... On voit vraiment que le profil des personnes à aider, ce ne sont pas mes collègues qui sont au comité spécial qui diront le contraire. On voit vraiment une évolution dans les différentes personnes que nous aidons aujourd'hui. Maintenant, il n'est pas rare d'avoir des couples qui travaillent, qui demandent une aide sociale parce qu'ils ne parviennent plus à assumer toutes leurs charges. Alors, c'est vrai qu'on a eu la période Covid et maintenant, on va vivre, mais véritablement de plein fouet, la crise énergétique. D'ailleurs, pour information, notre pot qu'on avait de budget et de subsides au niveau énergétique a été épuisé aujourd'hui au comité spécial. Donc, on a encore deux comités à devoir assurer et nous devrons probablement trouver soit sur fonds propres ou sur d'autres aides. Mais en tout cas, au niveau du fonds énergie, il est complètement épuisé, alors que nous avons eu au mois de juillet une subvention complémentaire du fédéral de 30 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les aides augmentent en termes de chiffres. Plusieurs personnes attendent longtemps avant de payer leur facture, soit intermédiaire ou soit la régularisation. Et donc, les montants, en fait, ne cessent d'être importants. Il n'est plus rare à chaque comité d'avoir des montants qui avoisinent les 3-4 000 euros par personne au niveau de l'aide et d'un secours au niveau énergétique. Donc ça, il faut qu'on y soit véritablement attentif. Et c'est d'ailleurs le constat que fait également la Fédération des CPS lors de sa conférence de presse de rentrée politique de septembre 2022 qui s'intitulait « La rentrée des CPS wallons entre morosité et inquiétude, volontarisme et propositions constructives ». Je pense que ça résume vraiment très bien tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc...
Je vous invite d'ailleurs à la lire sur le site de la Fédération, ce qui rejoint effectivement ce que nous vivons tous au niveau du quotidien. L'objectif aussi de cette note, et vous allez le voir, c'est de mettre en lumière le travail qu'effectuent nos assistantes sociales, enfin je veux dire assistants sociaux parce qu'on a quand même deux hommes, donc nos assistants sociaux au quotidien, et c'est pas simple aujourd'hui d'être assistant social. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a pénurie du secteur et qu'on a vraiment du mal à recruter des gens quand on en cherche. Alors si d'un point de vue budgétaire, le tsunami social annoncé ne se fait pas véritablement ressentir pour cette année 2022, on doit quand même constater qu'il n'est pas de même par rapport à notre personnel de première ligne qui multiplie les dossiers, qui est véritablement en surcharge de travail. Derrière un dossier présenté au comité spécial, il y a minimum en fait une entrevue avec la personne et un travail de fond pour présenter le dossier au comité spécial. Il faut effectivement remplir un nombre conséquent de documents, pouvoir donner son avis. Donc ça demande un travail véritablement important. Ce n'est pas qu'une entrevue, c'est en général 3-4 entrevues avant qu'on soit vu au comité spécial. Mais nos équipes restent avec une motivation qui est toujours intacte et assument avec professionnalisme leur travail et je les en remercie. Alors j'ai fait quand même quelques chiffres parce que je pense que le dire c'est bien, mais vous dire vraiment la réalité, je crois que c'est mieux. Au niveau du service social de première ligne, les demandes de revenus d'intégration, et là on parle de nouvelles demandes. Nous sommes en octobre 2022 à 310 revenus d'intégration avec 11 ACERIS et 32 ACERIS spécifiques ukrainiens. Je parlerai un petit peu plus tard des dossiers ukrainiens parce que c'était une question d'ailleurs de M. Berthaud lors du groupe de travail. Donc je vais la lui donner maintenant. Donc pour avoir une idée plus précise des nouvelles demandes de RIS, mais vous voyez avec le tableau de janvier, on est à 62 personnes et aujourd'hui on est en septembre 89 et en octobre 77 personnes. Donc il y a quand même une augmentation. Et d'ailleurs je dirais que de façon générale au CPS, même si de janvier jusqu'à fin août ça a été relativement calme, réellement depuis le mois de septembre on voit l'explosion pour nous au niveau des différentes demandes et des dossiers supplémentaires. Alors, le comité spécial se réunit minimum deux fois par mois, parfois trois. Et d'ailleurs, vous le voyez, en 2021, le nombre de dossiers qui sont présentés. Et en 2022, mais vous voyez, il n'y a pas spécialement une grande augmentation, mais les dossiers sont beaucoup plus lourds à traiter. Comme je vous le disais, il faut vraiment une analyse beaucoup plus profonde au niveau de chaque situation parce qu'elle devient de plus en plus compliquée à pouvoir gérer. Alors, je tiens d'ailleurs à remercier les conseillers du CPAS, que ce soit d'ailleurs le vice-président qui me seconde parfaitement, mais en même temps les conseillers du comité spécial, parce qu'il faut savoir que maintenant, pour analyser les dossiers, je pense que personne ne va me démentir, il faut entre 3 et 4 heures chaque week-end pour pouvoir vraiment analyser les dossiers et rien que les voir, puisque il faut se rendre compte, 230 dossiers, il faut les voir tous, il faut qu'on ait chaque fois un avis sur chaque personne, rester équitable. Donc c'est un travail qui est quand même assez assidu aussi. Évidemment, le travail du personnel est énorme en amont, mais les mandataires ont vraiment aussi énormément de travail pour chaque comité. Et je tiens à les remercier parce qu'ils font ça avec véritablement professionnalisme et sérieux. Alors, au niveau des aides alimentaires, ça aussi, c'est intéressant de pouvoir le constater. Vous voyez que toute l'année complète en 2021, pardon, nous avions un montant de 22 735 euros. Aujourd'hui, enfin fin octobre, on est déjà à un montant de 31 025 euros. Et si vous regardez les chiffres, vous voyez effectivement qu'il y a des augmentations significatives depuis le mois d'août. Donc ce que je vous disais tantôt, ça se rejoint également au niveau des aides alimentaires. Et donc les dossiers véritablement sociaux augmentent depuis ce moment-là. Il faut savoir que parfois, nous n'octroyons pas un fonds énergie à certaines personnes qui en font la demande, mais qu'on peut les aider d'une autre façon, soit par un secours loyer ou au travers justement des aides alimentaires. Donc, voilà, les aides énergie, c'est une chose, mais parfois, on aide vraiment sous un autre aspect des personnes qui ne parviennent plus à honorer non plus leurs factures. On essaye toujours de trouver une solution avec elles. Alors, au niveau des groupes logements, justement, c'est intéressant de voir aussi l'évolution.
Donc, en 2021, il y avait 90 dossiers et en 2022, arrêté toujours au mois d'octobre, puisque voilà, on ne savait pas avoir des chiffres un peu plus récents, 109 personnes. Et au niveau des dossiers énergie, on était en fait à 54 dossiers en 2020, 87 en 2021 et maintenant nous sommes à 92 dossiers, encore arrêtés au 1er octobre. Mais comme je vous le dis, ces statistiques vont grandement augmenter parce qu'on sent vraiment une augmentation significative. Alors, je vous ai mis aussi les informations relatives au planning familial parce que c'est un service qui n'est pas toujours bien connu, mais qui effectue énormément de travail, surtout au niveau de la prévention dans les écoles, qui ont un rôle aussi au niveau des différents festivals. Ils ont des réunions aussi individuelles avec les personnes. Alors, vous voyez que parfois, c'est comique parce que c'est mis en minutes le rapport, mais c'est parce qu'en fait, l'organisme qui nous subventionne demande ce type de rapport en minutes. C'est pour ça que vous avez des minutes, mais vous pouvez facilement les convertir en heures. Et vous voyez que le planning familial est loin de chômer aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est le service au niveau insertion. Alors, je vous avais fait part, et au travers des budgets et des MB, ça se voyait vraiment clairement, qu'on avait eu une très forte baisse au niveau des articles 60 au moment de la période de Covid. Ben, ça s'explique naturellement puisque les employeurs stoppaient aussi leurs activités à un certain moment. Maintenant, il y a une légère relance qui est en train de se faire depuis un petit temps et c'est vrai que j'avoue que les conseillers du comité spécial ont quand même mis aussi l'accent là-dessus parce que pour nous, c'est important la réinsertion et il faut essayer que les personnes de les remettre au travail. Alors, c'est un peu généralisé dans tous les CPS parce que j'en parler avec mes collègues présidents et ce que nous vivons à Braine-le-Comte n'est pas unique, ça s'est vérifié partout où malheureusement c'est beaucoup plus compliqué maintenant de motiver les gens et d'ailleurs dans des groupes de travail quand le service insertion les convoque juste pour une information, les gens ne se présentent même plus et c'est pas rare que nous devions prendre malheureusement certaines sanctions à l'égard de certaines personnes parce que c'est important aussi que les gens comprennent qu'il faut dans la vie aussi essayer de se réinsérer et de mettre toutes les chances de leur côté. Et donc pour ça, les services font un travail remarquable, mais dans les chiffres, c'est vrai que ça ne se voit pas toujours. Mais depuis un petit temps, on constate un progrès de ce côté-là, en tout cas. Vous avez aussi toutes les statistiques au niveau du chômage et des montants reçus au niveau des subventions, mais je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que je vais, je crois, faire endormir tout le monde au bout de 2-3 minutes. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du service de médiation de dette. Alors, vous voyez l'évolution des dossiers à l'amiable et en règlement collectif. Alors, vous allez dire, ah, mais c'est bizarre, il y a une baisse de 2021 et 2022. Il faut savoir que maintenant, on a beaucoup plus de personnes qui sont en guidance budgétaire, qui est un autre service aussi que la médiation de dette. Avant, justement, on essaye que les gens s'en sortent et mettent des plans d'action financiers avec les personnes au niveau de leur budget pour éviter d'aller en médiation de dette. Donc voilà pourquoi il y a parfois des chiffres qui sont un peu plus faibles. Et puis, il y a des dossiers qui se sont aussi clôturés. Mais pour l'instant, ben voilà, on essaye un peu de temporiser pour que les gens ne rentrent pas non plus dans ce système de médiation de dette, mais ils continuent quand même à faire un travail aussi conséquent. Alors, par rapport au point des Ukrainiens, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que nous avons eu en plus dès le mois d'avril. Alors, vous voyez au départ qu'il y a eu 4 dossiers. Au mois de mai, 8 nouveaux dossiers. Au mois de juin, 17 nouveaux dossiers. En juillet, 6 nouveaux dossiers. Donc, tout ça se rajoute au fur et à mesure. Donc, on avait au total 32 dossiers au niveau des Ukrainiens à gérer. Et on en a eu récemment encore 2 supplémentaires. Voilà. Et derrière tout ça, évidemment, c'est tout un travail. Il faut se rendre compte. On reçoit des Ukrainiens. On voit avec eux les différents besoins qu'ils ont. Il y a des orientations qui sont faites en fonction de leurs besoins. Mais tout ça, c'est toujours un travail de collaboration avec notre service social et d'autres services qui sont d'ailleurs pas toujours sur Braine-le-Comte, mais ailleurs, entre autres pour le logement ou pour d'autres aspects. Et donc, ça demande chaque fois. Et puis, ils reviennent aussi pour des aides urgentes, puisqu'ils n'ont rien à la base avant d'obtenir le revenu d'intégration pour les Ukrainiens, c'est la CERIS. Et donc, voilà, il y a toujours un travail vraiment énorme qui se fait aussi par rapport à l'aide aux Ukrainiens. Et je tiens à dire qu'elle ne s'arrête pas. Elle continue, elle n'augmente plus, enfin, sauf la semaine dernière où effectivement on a eu 2 familles supplémentaires. Mais sinon, maintenant, c'est relativement stable. Mais le travail de fond reste toujours très important.
Et donc j'espère qu'au travers de cette note, vous avez pu percevoir quand même toute la quantité, le volume de travail que le service social a, réalise et fait véritablement avec toute son énergie, tout son cœur et son professionnalisme. Et je pense franchement, moi je les félicite parce qu'être aujourd'hui assistant social de première ligne, c'est pas tous les jours simple parce que les gens sont toujours dans des situations de précarité extrême. Et d'ailleurs, j'en parlais encore avec l'assistante sociale le vendredi dernier, elle dit au niveau des émotions, c'est parfois très compliqué à gérer parce qu'ils reçoivent cette détresse en permanence et ils doivent rester professionnels. Elle me disait, j'avais envie de pleurer avec un de mes bénéficiaires parce que sa situation est vraiment catastrophique. Et donc, je crois qu'il faut vraiment les féliciter de ce travail, de cette qualité, cette capacité de pouvoir le continuer et le faire vraiment, je le répète, avec professionnalisme. Voilà, merci de votre écoute en tout cas. Merci beaucoup, Madame la Présidente du CPS. Alors, dans les demandes de parole, dans l'ordre, j'ai la conseillère Anne-Françoise Petitjean, puis le conseiller Pierre-André Damas. Merci. Merci pour toutes ces explications, parce que chaque année, ça nous éclaire vraiment sur les actions du CPS et des services qui sont apportés aux Brennois. Je pense qu'il est quand même important de préciser qu'en Wallonie, depuis 15 ans, les demandes d'aide ont augmenté de 72%, tandis que l'emploi au sein des CPS, lui, n'a augmenté que de 18%. Donc on comprend d'autant plus les difficultés rencontrées au quotidien par les équipes de terrain et le surcroît de travail engendré par les crises successives. Au niveau communal, si l'impact budgétaire ne s'est pas fait sentir cette année suite aux aides fédérales, mais qui malheureusement maintenant n'existe plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc on reste d'autant plus inquiet pour l'avenir. Du coup, il n'est pas normal qu'un nombre de plus en plus important de familles soit obligé de diminuer sa consommation d'énergie au point que cela ait des conséquences sur leur santé. Se tourner vers l'aide sociale est alors pour elles une des seules solutions et nous sommes bien conscients que sans personnel supplémentaire, la gestion de tous ces dossiers représente une charge de travail conséquente. En effet, depuis de nombreuses années, c'est l'ensemble des CPS du pays qui tire la sonnette d'alarme quant au financement, au manque de personnel. Et un fossé de plus en plus important est en train de se creuser entre ce qu'ils veulent faire, ce qu'on leur impose, mais et ce qu'ils sont réellement en mesure de faire. Pour obtenir des moyens supplémentaires, bien sûr, on peut faire des appels à projets et répondre à des appels à projets. Mais de nouveau, c'est le personnel qui doit y répondre et les procédures sont fastidieuses et énergivores. Donc, le groupe écolo continuera à revendiquer au niveau fédéral une augmentation du taux de remboursement du revenu d'intégration sociale de 100% pour tous les CPS, même si la balise est à 90% pour cette législature. Au niveau wallon et en particulier pour notre commune, nous espérons qu'une certaine tolérance sera de mise par rapport à la tutelle du CRAC. Mais il nous semble indispensable que la ville puisse continuer à soutenir financièrement le CPAS pour faire face aux mois qui s'annoncent difficiles. Enfin, nous avons souvent mis en avant aussi le manque de logements publics et la crise énergétique ne doit pas nous faire oublier ce problème. On a entendu tout à l'heure, et on était content de l'être, que ça restait une préoccupation majeure tant pour Haute-Seine Logement que pour le CPAS, parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et je terminerai par renouveler les remerciements de notre groupe à tout le personnel pour le travail difficile accompli au quotidien et nos encouragements pour celui qui reste à faire. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Donc, la présidente va répondre à 2-3 informations, questions. En fait, au niveau de l'emploi, justement, et je tiens vraiment à remercier, ce n'est pas de la flagornerie parce que vous le constaterez au niveau du budget qu'on a quand même une aide sociale de 1 200 000 euros en plus cette année. Donc ce n'est pas négligeable du tout et je les remercie parce que à la fois le collège, le bourgmestre reste toujours très très sensible à la situation justement du CPS et ne nous ont pas demandé de faire des coupes budgétaires au niveau du personnel. Au niveau du service social, on n'a pas remplacé, en fait, on a remplacé, pardon, l'assistante sociale en chef sans diminuer son poste, dans le sens où il y a une assistante sociale qui est en plus, et ça nous fait vraiment du bien. Maintenant, c'est vrai que dans votre analyse, vous avez vraiment 1000 fois raison, et en tant que présidente, je la rejoins sur le fait qu'effectivement, on doit donner les moyens. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, l'ensemble des différents CPS et la Fédération des CPS ont été manifestés pour justement dire que maintenant, il fallait donner
plus de moyens. Parce que c'est vrai que vu les différentes crises qu'on est en train de traverser, on ne sait pas très bien comment on va pouvoir y faire face à un moment donné. Alors ici, on est rassuré au niveau d'ailleurs budgétaire grâce à la ville et grâce véritablement à son soutien. Et je le souligne parce que ce n'est pas comme ça dans toutes les communes. Et donc, on est vraiment une commune privilégiée. On peut dire qu'on a d'excellentes relations. Et ce n'est pas qu'au travers d'un conseil comme aujourd'hui, mais c'est au quotidien. Et donc, ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, les grades légaux se voient régulièrement pour discuter. Il y a vraiment une compréhension de la réalité de ce que nous vivons au CPAS. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à souligner. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'emploi, j'espère qu'on aura des aides, comme par exemple la continuité au niveau du fédéral pour les Ukrainiens. Pour l'instant, c'est un contrat à durée déterminée de 2 ans. On espère qu'il sera reconduit pour qu'on puisse mener jusqu'au bout, au fond, les différentes choses qu'on a imposé de faire au niveau justement fédéral quelque part, puisque cet aspect-là est plus de leur niveau. Et alors au niveau des aides, ben là je crois que j'y ai bien répondu, que la ville évidemment est très très attentive et je les remercie vraiment pour le 1 200 000. En ce qui concerne le CRAC, là je laisserai le CRAC porter son jugement, mais je peux vous dire que le soutien de la ville. D'ailleurs, ils ont réunion demain pour l'ensemble du plan de gestion, budget, etc. Et donc, dedans figure effectivement aussi notre plan de gestion et ces différents montants d'aide qui quand même augmentent et se proratisent au niveau de l'aide communale. Ben, on n'a plus qu'à croiser les doigts qu'ils le valident et qu'ils acceptent. En tout cas, au niveau du collège ici présent, c'est la volonté de nous aider. Voilà, on espère que dans toute logique, le CRAC validera. Mais bon, notre logique n'est pas toujours la leur. C'est bien dit. J'espère qu'ils ne regardent pas parce qu'on a réunion demain matin. oui, c'est ça. Les tiennes se sont bien passées, ça y est. Monsieur le conseiller Damas. Oui. Donc je remercie d'abord les équipes de la ville et du CPAS donc pour ces statistiques et ce rapport d'activité. Et je remercie les conseillers, les différents services pour vraiment tout le travail qui a été effectué, qui est remarquable. Et les félicitations que vous avez données sont justifiées. Néanmoins, je suis un peu déçu de la politique, enfin de la note de politique sociale. Donc je m'attendais à avoir une note de politique sociale et de pouvoir faire un débat sur la politique. Bon. Alors, à part l'introduction et de temps en temps une petite réflexion au détour d'une statistique, il n'y a pas grand-chose de politique dans le sens de direction impulsée, de perspective présentée par notre bourgmestre et la présidente du CPAS, puisque vous avez fait cette note conjointement, je crois. Je vais finir. Bon. Donc, je m'attendais à une véritable note de politique sociale qui exprime la situation... Bon, la situation démographique à Braine-le-Comte, le paysage socio-professionnel, donc les difficultés rencontrées par les habitants au niveau social, l'emploi, le logement, la nourriture, l'énergie, les effets des crises récentes sur cette situation-là, l'impact de l'accroissement de la population, et donc sur base de tout ça, en fonction de ça, déterminer des objectifs sociaux, déchiffrer, voir l'impact sur les services, sur l'organisation, sur le budget éventuellement. Alors, le décret du 19 juillet 2018, alors excusez-moi pour tout le titre, intégrant le renforcement des synergies dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale et du CDLD. Mais donc, ce décret indique qu'une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance. Donc, je comprends que c'est important pour le CPAS de pouvoir montrer son rapport d'activité. Et ça, je félicite et je suis très, très, très content. C'est vraiment très, très important de le rendre public, de montrer tout le travail qui est effectué. Mais se projeter vers l'avance, vers le futur, donc on attend pas un rapport d'activité, mais que le bourgmestre et la présidente du CPAS prennent du recul, de la hauteur et déterminent une vraie politique objectivée sur ce qui se passe, la situation dans la ville, les crises, la population, etc. Et donc, ce serait en quelque sorte un suivi de la déclaration de politique sociale du CPAS qui a été établie au début de la mandature. Alors, j'ai essayé de me la remettre en mémoire. Eh bien, je me suis rendu sur le site web du CPAS et qui est hébergé dans celui de la ville. Et malheureusement, les liens tend vers le programme stratégique transversal du CPAS que vers la déclaration de politique sociale ne débouche sur rien, alors que le plan stratégique, le PST de la ville, lui, il est bien accessible.
Alors, je veux bien faire un débat, mais sur quoi ? Et donc, dans l'introduction, vous faites justement, et vous en avez reparlé maintenant, vous faites référence à la conférence de presse de la Fédération des CPAS en disant ben, on vit la même situation, on est dans le même cas. Mais dans cette conférence, ils établissent 7 propositions liées à la structure du CPAS et à son avenir, 7 appels à la Wallonie à propos du choc énergétique, 5 mesures spécifiques, une série d'attentes et de souhaits sur la crise ukrainienne et sur son impact sur l'accueil, même sur l'accueil déjà existant avant la crise. Donc pour moi, ça c'est un sujet de débat et c'est là-dessus que j'attends des réponses, même si je vous remercie encore pour le rapport d'activité et pour les activités faites. Quoi. Mais donc, ma question, c'est comment Braine-le-Comte alors s'inscrit-elle dans les propositions de la conférence de presse de la Fédération des CPAS ? Merci, monsieur le conseiller Pierre-André Damas. Et donc, la présidente du CPAS va répondre. En fait, par rapport à ça, je peux comprendre peut-être la déception, le fait de ne pas avoir une note d'avenir social. Elle figure plus, en fait, quand même dans la déclaration qui est liée par rapport au budget, puisque là, il y a des perspectives par rapport à l'ensemble des services au niveau du CPAS. Donc, pour moi, c'est plus là qu'elle doit y figurer, plutôt qu'ici, lors du conseil conjoint. Pour moi, un conseil conjoint, et par rapport à ici, c'est vraiment de pouvoir débattre aussi des aspects purement sociaux. Ici, je vous évoque l'ensemble des points. Maintenant, moi, je n'ai pas une boule de cristal à dire, écoutez, le fédéral ne va plus nous imposer de suivre les Ukrainiens, ils vont pouvoir tout prendre en charge, etc. Ça, moi, je ne peux pas le déterminer. Alors, effectivement, cette note, puisque j'en parle, je l'ai parcourue et je l'ai lue aussi, elle est évidemment très intéressante, mais elle ne dépend pas de nous. Elle ne dépend pas de nous à l'échelon local. C'est toutes des interpellations qui sont faites au niveau wallon et fédéral. D'ailleurs, une des interpellations est celle que je viens d'évoquer par rapport au personnel et par rapport aux moyens que l'on donnera dans les mois à venir au niveau du CPAS. Maintenant, si c'est ce genre de note que vous voulez qui est globale, générale et qui, en fait, ne sortira c'est pas avec quelque chose... C'est pas moi qui veux un seul décret. Hein. Bon. Non, mais je pense que le décret est... J'enverrai ça à n'importe qui. Je pense qu'au niveau du décret, c'est quelque chose qui leur satisferont parce qu'il y a une carte et une photographie de ce qui est fait sur notre territoire. Vous avez d'ailleurs des perspectives au niveau de l'insertion, où là on explique par rapport au marché, par rapport au nombre et au pourcentage au niveau de la réinsertion, au niveau de la communauté urbaine du centre, donc au niveau de la CUC. Maintenant, si vous voulez que je vous fasse des statistiques au niveau de la CUC, ce n'est pas un problème, je demanderai à mes collègues avant les précédents conseils conjoints de me les fournir et de vous donner le même genre de travail au niveau de l'insertion pour voir où on se situe au niveau des différentes communes avoisinantes, mais ce qui est pour des trajectoires, on a notre politique à nous, et c'est ça qui est l'intérêt, en fait, au niveau d'un conseil communal conjoint, parce que vous savez débattre avec nous lors des différentes modifications budgétaires au niveau des budgets, puisque c'est là que l'on peut définir les actions que l'on va mener au travers de l'année et des perspectives futures. Maintenant, c'est très clair qu'au niveau du CPAS, on est vraiment, nous, bloqués par rapport à plein de choses qui sont tout à fait indépendantes du local. Et je le redis, ce qui est dépendant du local avec le 1 200 000 que la ville nous a octroyé en plus, hein, parce qu'au total, ça fait plus de 4 millions quand même de dotations communales pour le CPAS. Je ne vais pas vous inventer une note parce que je ne m'appelle pas Madame Irma et que je ne vois pas la perspective par rapport à certains points. Il est déjà très difficile aujourd'hui, lorsque l'on est à chaque réunion de comité, il faut le vivre pour pouvoir le comprendre. Il est très difficile de pouvoir dire où est-ce qu'on va. Aucun d'entre nous ici de la table, des conseillers de l'action sociale, et j'en parlais avec mon vice-président juste avant le conseil communal, c'est pas simple aujourd'hui de pouvoir se situer. Maintenant, si vous voulez un truc très plus théâtral avec plein d'informations globales et générales, vous me dites que vous le faites pour le budget, donc présentez-nous ça. C'est voilà, bien. Voilà, mais pour le budget, vous aurez les lignes. En fait, il y a même mieux, vous aurez le plan de gestion. Donc, en plus, c'est même mieux. Oui. Oui, voilà. C'était normalement ici qu'on devait en discuter maintenant. Quoi. Bon. Mais vous aurez le plan de gestion aussi. Et c'est ça que je dis, que ma note de politique générale, là vraiment, puisque vous dites je n'ai pas de politique, ce qui est vrai, mais je trouve que ce n'est pas l'objectif d'un conseil conjoint. C'est pas ça que conjoint. J'ai dit. Hein. J'ai dit qu'il n'y a pas de note politique. Oui, mais la note politique pour moi est liée à un budget. Parce que là, le budget, vraiment, est quelque chose qui est conçu pour l'avenir au niveau du CPAS. Et donc, pour moi, ça se trouve à ce niveau-là. Et qu'ici, c'est pour moi une note sociale qui complète, en fait, les synergies qu'il y a entre la ville et le CPAS. Mais je prends note positivement de votre remarque. Hein.
on demandera à Madame la Présidente d'être une comédienne magicienne, musicienne qui arrive pour l'année prochaine. Bon, si elle sait faire un budget, elle sait faire des perspectives de dotation politiques. Dotations complémentaires, hein. Vu que c'est pour des millions que nous nous battons au niveau de la ville et du CPS pour ce faire. Merci beaucoup. Madame la conseillère David Martine. Moi, je pense quand même que l'SPS, pour répondre un tout petit peu donc, à notre conseiller Pierre-André Damas, l'SPS sont confrontés à deux choses. D'une part, la crise énergétique, hein, les réfugiés ukrainiens, hein, et l'inflation. Et ça, je ne pense pas que n'importe quel PST ou quelle note politique sociale ou autre n'a pu l'anticiper. Et donc, les CPS doivent faire face à ces difficultés. Et pour moi, il me semble que les dossiers tels qu'ils ont été présentés et les chiffres tels qu'ils ont été présentés sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui démontrent quand même l'état de besoin de nos concitoyens. Ça, c'est une chose. C'est une excellente photo de cela, de la situation. À côté de cela, on a aussi donc, le devoir d'un CPS donc, de s'intéresser à toute la politique d'intégration sociale. Et ça, c'est dit aussi, et c'est implicite dans le dossier qui nous est présenté, dans le rapport qui nous est présenté. Et je prends seulement qu'un point, ce sont les articles 60. Donc, Madame la Présidente a expliqué pourquoi il y avait tant de difficultés à les mettre en emploi. Parce que d'une part, il y a beaucoup d'articles 60 qui sont avec des contrats d'insertion sociale d'abord des PIS hein, et qui n'aboutissent pas directement à un contrat article 60 parce que pour certaines personnes, il faut parfois passer 2-3 PIS avant de pouvoir envisager un contrat article 60. Donc, ce sont toutes des stratégies qu'on peut mettre en place, mais on est confronté à la réalité et la réalité, elle est là. Et donc, on ne sait pas toujours non plus la manipuler, cette réalité-là. Il faut faire avec les personnes qui sont de bonne volonté ou de moins bonne volonté et il faut avancer par rapport à cela. Alors, je me permettrai aussi de revenir sur un chiffre parce que je crois que c'est important au niveau du taux de chômage. On dit qu'il diminue effectivement au niveau de Braine-le-Comte, mais il faut toujours mettre un bémol par rapport à cela parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, ça ne veut pas dire nécessairement que plus de Brainois intègrent le marché de l'emploi parce que toutes les personnes qui sont en exclusion de chômage arrivent au CPS. Et donc là, il y a un petit peu le principe des vases communicants. Donc il faut être très prudent par rapport à certaines statistiques. Ouais, maintenant, évidemment, la liste Braine remercie aussi les équipes qui œuvrent au quotidien donc, pour apporter toute l'aide à leurs bénéficiaires, bien évidemment. Merci à toutes ces personnes. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Les conseillers de l'action sociale ne restaient pas silencieux. Voyons. Non, personne ne veut prendre la parole. Donc, je le dis parce que, évidemment, Marie-Josée Smets n'avait pas de micro. Elle a dit, notre présidente a tout dit, elle défend cela si bien que voilà. Je pense qu'effectivement, c'est bien dit. Pas d'autres remarques ou questions? Non. Eh bien, hop. donc ça, c'était une prise d'information et le débat a pu se faire. Et donc, on sera plus dans le théâtre la fois prochaine. Donc, voilà. Non, dans l'action. On mettra. Mais de toute manière, dans deux semaines, nous avons un énorme conseil communal budgétaire plus plan de gestion. Et dans ce plan de gestion, il y a également le plan de gestion du CPS. Où en fait, on va ressentir évidemment les priorités sur 5 ans. En se disant que là, vraiment, on est des magiciens. Même si on nous le reproche par ailleurs. Parce que qui peut dire ce qu'il se passera après les élections communales? Voilà. Mais on a été obligé de le faire. C'est pas moi qui ai écrit les décrets pour vous ennuyer. Hein, donc, non, c'est sûr. Bon.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole. Non, toujours pas du côté CPS. Eh bien, je vais lever la séance conjointe et donc remercier à nouveau les grades légaux et ma collègue présidente pour tout le travail effectué avec les équipes et remercier évidemment les conseillères et les conseillers de l'action sociale que nous revoyons jeudi soir en conseil. Et donc passer une agréable soirée. Et évidemment, on a une pensée pour Nicole Vanhoef qui a fait beaucoup pour le CPS également. Et on en reparlera évidemment normalement au prochain conseil communal avec donc le remplacement des deux conseillers écolos. Voilà. Donc là, maintenant, les conseillers du CPS peuvent nous quitter. Sauf si vous souhaitez, comme le public très nombreux, assister à notre conseil communal en direct. Donc il y a une petite pause. Voilà, je vous propose que nous débutions le conseil communal maintenant, après ce conseil conjoint. Donc tout d'abord, le premier point, donc tous sont toujours excusés, évidemment, c'est peut-être important quand même pour le procès verbal. Donc on excuse les conseillères Nathalie Huynens, Gwenaëlle Bombard, Éric Berthaud et Michel Brancard. Et le premier point à notre ordre du jour, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du 14 novembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette séance, sur le procès verbal? Pas de remarques? Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Alors le point suivant, c'est l'approbation des points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 21 décembre de l'intercommunal IDEA. Nous y représentent les conseillers Flau, Coppens, Garminck, André et Lovo. Est-ce qu'il y a des remarques sur cet ordre du jour ou est-ce que tout le monde peut marquer également accord? Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. L'ordre du jour suivant, c'est l'Assemblée générale de l'intercommunal INBW qui aura lieu le 21 décembre. Et là, nos représentants sont les conseillers et échevins Huard, Decamp, Coppens, De Dobeler et Lovo. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'Assemblée générale de l'INBW? Non? Oui, monsieur le conseiller de Smet. Il faut prendre un micro, Guy. Pas de celle-là, mais de toutes les intercommunales. En fait, à partir du moment où au conseil communal, on vote pour, nos représentants n'ont même plus à intervenir dans l'intercommunal. Cela étant, je rappelle, pour être procédurier comme ton collègue, que normalement, les membres qui siègent dans les intercommunales sont censés nous faire des petits rapports ici même, hein, pour nous expliquer ce qui s'y dit. Donc, effectivement, ce n'est pas obligatoire d'y aller, mais c'est toujours bien d'y aller, même si je peux notamment prendre en exemple un échevin qui va souvent dans les assemblées générales, mais se retrouve fort, fort seul. Hein. Et du coup, les assemblées générales sont même parfois postposées. Voilà. Pas de remarques donc sur l'INBW? Alors, on continue avec Sénéo. Donc là, l'assemblée générale, c'est le 16 décembre.
Et donc, pour Sénéo, les représentants sont les échevins et conseillers, Coppens, Huard, De Dobeler et Lovaux. Laurent Lovaux, il a hérité de toutes les intercommunales. On parle bien de l'Assemblée générale et non pas du conseil d'administration. Ok, tout le monde est d'accord. Et puis ensuite, donc, YTEC. YTEC, c'est le 15 décembre 2022. Et là, nos représentants sont les conseillers échevins et échevins. Coppens, Huard, De Dobeler et Lovaux, comme pour Sénéo. Pas de remarques non plus. Alors, on continue, hein, toujours dans les intercommunales. Cette fois-ci, le 15 décembre, ou plutôt aussi. Ah non, c'était le 5. Et là, on est chez Aurès à Setz. Nos représentants sont les conseillers et membres du collège, donc Coppens, David, Petitjean et Brancard. Ça change un peu pour Laurent. Voilà. pas de remarques pour Aurès à Setz. Si, monsieur le conseiller Guévard. Là, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Hein. C'est assez marrant. Il n'y avait qu'une lettre pour demander la brochure stratégique de l'Assemblée générale. C'est ça. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a le plan stratégique, les nominations statutaires et l'actualisation de l'annexe 1 des statuts, la liste des associés. Ça, c'est l'ordre du jour. Il y a trois points. Mais effectivement, si vous souhaitez avoir le plan stratégique, on vous l'envoie par mail et non plus par papier. Donc, c'est pour ça qu'il y a une lettre annexée. Oui, monsieur le conseiller, monsieur l'échevin, pardon, Coppens. Oui, je voulais juste reprendre, mais c'était un petit peu pour tout. Donc, en fait, YTEC, c'est 17h30, Charleroi, et Aurès à 7, c'est 18h à Louvain-la-Neuve. Je ne sais pas trop comment je vais faire en une demi-heure pour me retrouver des deux côtés. Et donc, c'était simplement pour prévenir que moi, je souhaitais vraiment aller à Aurès à 7, donc à 18h à Louvain-la-Neuve, parce que c'est vraiment important. D'autant qu'on a un point qui passe aujourd'hui et qu'on a beaucoup de modifications pour l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'avant, chez YTEC, je voyais très souvent Pierre-André. Donc c'est voir si justement, si on sait, si c'est possible d'avoir un conseiller donc à 17h30 à l'Assemblée générale d'YTEC. Ce serait une bonne chose. Et le fait, même si c'est décidé... en conseil communal, je tiens quand même à dire que les rencontres, c'est vraiment des moments très importants. Ça nous permet aussi pour la ville d'avoir les contacts lorsqu'il y a des urgences. Et donc voilà, donc j'invite vraiment les conseillers à venir nous rejoindre. Même si. Merci beaucoup, monsieur l'échevin des travaux et l'échevin des intercommunales, parce que c'est vrai que Polo y va à tout. Quand il sait, du moins. Pas de remarques autres, donc, pour Aurès. Alors, le point suivant, c'est l'approbation du contrat programme 2022-2024 de Centrissime. Donc, Centrissime, c'est la maison du tourisme des parcs, des canaux et châteaux. Donc, ils ont fait une opération de communication pour changer ce nom. C'est vrai que c'est beaucoup plus court, Centrissime. Et donc, je vais céder peut-être la parole à l'échevine du tourisme, Angélique Mauck, pour nous présenter succinctement les lignes fondamentales de ce plan. Merci, monsieur le bourgmestre. Donc, le contrat programme, ben, c'est un document qui est conclu entre la Maison du Tourisme et le CGT, donc le Commissariat Général au Tourisme, pour une durée de 3 ans. Ben, avant d'être approuvé par le CGT, ben, il doit être validé par les 11 villes et communes qui sont concernées. Donc, Binche, Braine-le-Comte, Soigné, Cossine, Senef, Estine, La Louvière, Lereux, Manage, Morlaix, oui, et Chapelle-Lerlémont. Mais également la province et la Wallonie-Belgique Tourisme. Donc, c'est une obligation pour être reconnue officiellement en tant qu'organisme touristique. La Maison du Tourisme doit donc conclure avec la région Wallonne un contrat programme spécifiant ben, toutes les synergies avec les offices du tourisme et syndicats d'initiative, les langues pratiquées au sein du bureau d'accueil, les heures d'ouverture, les actions menées en vue de l'accomplissement des missions de la Maison du Tourisme. Donc, la Maison du Tourisme soutient toutes les activités touristiques de la région, les points nœuds, villages fleuris, mais fait également la promotion des villes et communes faisant partie de l'AMT via Internet, les foires, salons nationaux et internationaux. Et également la promotion de tous les événements de la période touristique via l'agenda. Il y a la promotion via Facebook et via Internet. Il y a également accès à Internet, il y a une banque de données interactive via la très chouette application Centrissime. Il y a la promotion via des brochures ciblées. La mission essentielle de la Maison du Tourisme consiste d'une part à assurer l'accueil
et l'information permanente du tourisme sur le territoire des communes partenaires et d'autre part à soutenir, en collaboration avec les syndicats d'initiative et l'Office du tourisme, les activités de son ressort. Donc ici, pour le nouveau contrat programme, la principale modification concerne simplement les horaires d'ouverture, et ce afin de garantir le nombre d'heures d'ouverture minimum imposé par le CGT, à savoir 1 800 heures par an. Et la cotisation est, comme depuis 2020, à 20 cents par habitant. Voilà, donc le but de la note, c'est de marquer son accord sur ce nouveau contrat programme 2022-2024. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame l'échevine du tourisme. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur Centrissime ? Oui, Monsieur le conseiller Pierre-Yves Hubeau. Il faut que le micro arrive jusqu'à toi. Normalement, il y a un micro sur le banc des conseillers. Hein. Ça ne doit pas être le micro... Oui, il est là. OK. Hop. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense que je pose la question systématiquement lorsqu'on aborde des organismes supracommunaux. Mais quelle est la plus-value concrète et réelle de Centrissime pour la ville de Braine-le-Comte ? Donc, tu expliquais, Angélique, Madame l'échevine, que c'était beaucoup de promotion, mais est-ce qu'on a pu voir des retombées particulières ? Est-ce que ça a un impact positif pour la ville de Braine-le-Comte, sachant qu'il y a une cotisation de 20 cents à payer ? Qu'est-ce que Braine-le-Comte en reçoit ? C'est ma question. Oui, ça a quand même un impact assez positif parce que, oui, il nous aide énormément pour tout ce qui est promotion, mais il donne également énormément de conseils. L'application Centrissime, donc, qui reprend principalement toutes les balades de la région, est vraiment axée également sur Braine-le-Comte. Donc, chaque fois qu'au niveau de Braine-le-Comte, on crée des nouvelles balades, elles se retrouvent automatiquement sur l'application Centrissime. Il y a également pas mal de retombées avec tous les points nœuds. Et on travaille ici sur des projets, donc les points vélo aussi, parce qu'ils peuvent organiser des prêts de vélo. L'offre, en tout cas, de la Maison du Tourisme est assez importante. Et leur expertise nous aide énormément dans beaucoup de projets. Merci. L'aire de Motorhome, par exemple, ils nous ont bien aidés. Tu as anticipé ma question. Merci beaucoup, Angélique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Merci, madame l'échevine. Pas d'autres remarques ? Tout le monde est d'accord, du coup ? Avec ce nouveau contrat programme de la Maison du Tourisme. Merci beaucoup. Alors, nous avons un règlement pour la suppression d'un emplacement pour personnes en situation de handicap à la chaussée de Mons. Est-ce qu'on vous présente le point ou est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Tout le monde est d'accord ? Oui ? Merci beaucoup. Alors, nous arrivons donc dans un point important de cette soirée. C'est d'une part... La convention avec la Wallonie donc pour les travaux d'aménagement de la Grand Place et puis d'autre part le permis d'urbanisme pour les travaux de la Grand Place. Et donc je vais céder la parole à l'échevin de l'aménagement du territoire, Léon Druard. Merci monsieur le bourgmestre. Donc très rapidement pour l'objet numéro 9, mais donc c'est la convention qui vise à nous octroyer, enfin que la région nous octroie un subside d'1 862 000 euros à ce stade-ci de la procédure. Alors comment est calculé ce subside ? Ben, il dépend de la nature des espaces de rénover. Et donc 60% pour des travaux sur des espaces carrossables et 80% pour des espaces de convivialité. Ce montant sera voué à évoluer en fonction du projet et de la facture finale du projet de la Grand Place. Ensuite, je ne sais pas si je passe directement au point suivant. Oui, donc on va faire point par point. Donc sur la convention ici qui vous est soumise, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Oui, madame la conseillère de Dobeler, Muriel. J'avais juste une interrogation. Donc ils disent que la commune s'engage à prendre en charge des sommes relatives aux travaux supplémentaires prévisibles ou non indispensables, ainsi qu'aux travaux manifestement sous-évalués. Donc s'il y a des augmentations importantes au niveau du coût de main-d'œuvre et des matériaux, est-ce que le subside va évoluer de la même manière ? Ici, c'est vraiment pour les imprévus qu'on aurait pu, que le bureau d'architecte n'aurait pas prévu et qui poserait souci. Mais sinon, toute indexation est prise en compte dans le subside. Mais ici, ce serait vraiment les travaux
qui aurait dû être planifié, en fait, qui serait l'objet d'un oubli de la part du bureau, de notre part. Donc ici, on a un maître bien spécifique et tout ce qui est dans le maître est voué à évoluer et dont sera pris en compte dans le subside. Mais tout ce qui n'a pas été pris en compte dans le maître de base devra être payé de notre poche. Donc, malgré les grosses augmentations de coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, le subside suivra en fonction. En toute logique, oui, et d'autant plus que nous, dans notre budget, qui passera fin décembre, on a pris des marges de manœuvre en conséquence. Oui, donc c'est pas sûr que le budget suive ces augmentations. C'est là ma question. Si, si. Enfin, en tout cas. Donc pour vous le, avez prévu le, plus le, de budget, mais donc finalement, ça coûtera plus cher à la ville, les augmentations de matériaux et de main-d'œuvre. Tout ça a été pris en compte et tout ça, la région wallonne est déjà au courant de cela, en fait. Et donc, ils augmenteront le subside. Mais le subside sera calculé en fonction du budget qu'on a remis et ce budget prend déjà en compte une marge de manœuvre importante pour pallier aux indexations que l'on sait qui vont se dérouler l'année prochaine. Ok. Et dans ce point-là, vous parliez aussi du parking des Dominicains. Dans ce point-ci, non. C'est pas dans ce point-là ? Non. Merci. Ici, c'est vraiment l'objet du subside. Ce sera pour le point suivant. D'autres questions ? Oui, monsieur le conseiller Damas. Enfin, c'est juste pour dire que c'est difficile de voter pour un projet de convention quand c'est le financement de quelque chose pour lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Et donc, dans la mesure où on va s'opposer non pas au fait qu'il y ait un projet sur la Grand Place, parce que c'est quelque chose de bien, mais sur la façon dont il va être fait. Donc, comme on va s'y opposer, nous allons nous abstenir sur ce projet de convention. Oui, monsieur le conseiller Manzini. Attends, il faut prendre le micro, Nino. Donc ça marche, non ? Ça marche, ok. Non, mais voilà, d'autant plus que personne ici ne peut nous garantir, personne, je crois. Moi, si quelqu'un peut le faire, qu'il lève sa main, voilà. Parce que c'est une aventure financière, quand même, quelque part, quoi. Enfin, voilà. Et donc, quand on voit ici ce qu'on a entendu donc, par rapport au CPS, aux futures difficultés qu'on va, etc., moi, je me dis que la ville, enfin, si on n'est pas 100% garanti que ça ne coûtera plus rien du tout, enfin, voilà, moi, je trouve que c'est très aventurier de faire. Et personnellement, je voterai comme mon groupe. Mais moi, j'aurais même voté non, c'est tout, quoi. Mais je voterai comme mon groupe, c'est tout. Enfin, voilà. Et donc, voilà, le CPS va coûter. Ça, on sait bien que pour les prochaines années, et vu la politique énergétique pratiquée par la Vivaldi, son audace et sa perspicacité, je ne pense pas que c'est demain que l'énergie va diminuer de beaucoup pour les citoyens, en tout cas, quoi. Et donc, l'avenir, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, il est vraiment, pour beaucoup, très sombre. Voilà. Et alors, moi, je dis ce que je pense, moi. Je dis ce que je pense, c'est tout. Je trouve que la Vivaldi a pris des décisions personnellement. Je suis au bord parfois de plus que de l'étonnement. C'est tout. Et donc, moi, je dis ce que je pense. C'est tout. Je ne suis pas inféodé à mon parti. Voilà. Et donc, en l'occurrence, ici, en tout cas, voilà, je crois que la prochaine gestion de la crise de l'énergie, ça va être pour notre pomme, qu'on le sache bien. Quoi. Et donc, s'il y a encore de l'argent à mettre quelque part, autant prévoir que de risquer la moindre aventure. Voilà. C'est tout ce que je pense. Comment dis-tu ? Bon, je dis ce que je pense. Tu peux raconter tout ce que tu veux. Si toi, quand on parti, si toi, tu es d'accord avec tout, tant mieux. Eh bien, moi, quand je ne suis pas d'accord, je l'exprime, c'est tout. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Point barre. Eh bien, donc, sur cette petite joute ô combien sympathique, donc, je vous rappelle que nous parlons donc ici de la convention de nous liant donc, pour la rénovation urbaine, donc une grande politique audacieuse qui a été lancée à l'époque à l'unanimité du Conseil communal sur toute une série de fiches d'ailleurs avec les citoyens à l'époque qui ont déjà donné leur avis, tout cela. Et donc maintenant, nous sommes effectivement dans cette convention.
convention qui effectivement note d'une part une durée des travaux, d'autre part le taux de subvention, et on vous certifie que dans le décret de rénovation urbaine, il est bien prévu que sur base de la dernière facture qui sera envoyée à la Wallonie recalculera le subside, et que subside est, contrairement par exemple au parc urbain à Wallonie cyclable et tout cela où ce sont des enveloppes fermées qui nous pénalisent de part aussi d'ailleurs une participation citoyenne qui veut plus et mieux, et donc du coup bah, ça coûte évidemment plus cher, mais ici on est dans une enveloppe donc, qui est mouvante et c'est une bonne nouvelle, avec jusqu'à 80% de subsidiation de la Wallonie pour les espaces dits de convivialité, dont notamment la plantation d'arbres, dont notamment cette fontaine sur la Grand Place, dont à un moment donné même un nouveau petit parc, un petit bosquet ici qu'on va créer devant la place. Donc c'est dire comme on va changer, effectivement, il faut assumer, hein, il faut le vouloir, effectivement, enlever les voitures et tout ça. Bref, visiblement, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est noté. Et donc, sur cette base-là, nous vous demandons simplement d'approuver la convention. Donc, le subside de base de départ est d'1 862 000 euros, ce qui n'est pas rien. Hein. Quand on gagne des millions de la Wallonie, on doit tous s'en réjouir à l'unanimité et pas critiquer bêtement. Mais si ça ne vous intéresse pas qu'on ait des subventions, il n'y a pas de souci non plus. Donc, je vous propose d'approuver le projet de convention. Et ce n'est pas grave si on n'est pas d'accord. Donc, la majorité est pour. Il faudra juste compter par rapport donc, aux absents. Qui s'abstient ? L'opposition s'abstient. Donc, écolo plus ensemble, il n'y a pas de vote négatif. Alors, le point suivant, c'est le permis unique, donc le permis d'urbanisme pour la rénovation, donc l'aménagement, ce n'est même pas une rénovation, c'est un aménagement de cette grande place. Et pour qu'on voit véritablement comment ça va changer le cœur de notre ville, par rapport au développement durable et par rapport à cette dynamisation de notre centre-ville aussi au niveau commercial, eh bien, l'échevin a prévu un PowerPoint, puisque des images parlent parfois plus que des textes. Alors, merci, monsieur le bourgmestre. Donc, cette opération vise à améliorer l'image de notre ville afin d'offrir un meilleur cadre à nos citoyens brennois. La Grand Place, ben, vous savez tous où elle se situe. C'est aujourd'hui non pas un espace de convivialité, mais c'est un amoncellement de véhicules et d'asphalte. Mais c'est également des monuments classés, tels que l'hôtel d'Arambert et le kiosque, qui fera l'objet d'une rénovation via un certificat de patrimoine. Quelques vues depuis la Nationale 6, depuis la rue Grand-Chaudime, depuis la rue Saint-Georges, depuis la bibliothèque et enfin depuis la petite ruelle le long de l'Office du tourisme. Alors, nous sommes en plein dans le périmètre de rénovation urbaine. C'est ce qui nous a permis d'avoir un subside d'1 062 000 euros, comme on a pu vous en parler tout à l'heure. Au plan de secteur, c'est une zone d'équipement communautaire et c'est également une zone on se situe dans le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique. Et alors, comme je vous l'ai dit, il y a deux bâtiments classés, le kiosque et l'hôtel d'Arambert. Alors, cette rénovation s'articule autour de plusieurs axes. Premièrement, la déminéralisation de l'espace actuel via une meilleure végétalisation, favoriser les modes doux, les personnes à mobilité réduite, une remise en lumière de notre centre-ville, une meilleure gestion des eaux, et c'est également une mise en valeur de notre patrimoine. Ce projet a évolué par rapport à la première ébauche. Et donc, on a plus de parking. Donc, on a créé une poche de parking au niveau de la rue Grand Place. On a différentes poches de parking vélo. On a l'installation de bornes électriques. On a également du mobilier urbain mobile. Et on a également végétalisé le projet d'une meilleure manière. Voici à quoi ressemblera la future Grand Place. Ensuite, en quelques chiffres, nous avons l'ajout d'une trentaine d'arbres, l'ajout de massifs plantés, l'ajout de haies et de parterres, et tout cela en pleine terre.
du mobilier végétalisé qui pourra se déplacer en fonction des différentes activités qui se dérouleront sur le futur espace. Nous avons également une poche de 35 places répartis en plusieurs poches, pardon. Nous avons l'ajout d'un abribus, l'ajout de dalles pododactyles, puisque une consultante spécialisée a pu aiguiller le projet pour une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Nous avons plusieurs stationnements vélos et l'aménagement du parking des Dominicains, qui est, lui, provisoire. J'en parlerai par la suite. Alors, focus premièrement sur la rue Grand Place. Et donc là, nous avons une poche de 23 places de parking. La durée, donc ce stationnement sera géré via la zone bleue. La durée devra encore être étudiée avec le GT Mobilité. Dans cette zone, nous avons également le kiosque qui fera l'objet d'un certificat de patrimoine pour sa restauration. Donc voici une vue actuelle. Et ensuite, la vue de la future perspective que vous pourrez avoir depuis la nationale. Alors ensuite, le deuxième espace, c'est un espace s'articulant autour du jeu de balle. Donc nous avons pu avoir une rencontre avec le comité du Tilburg et il s'avère que cet espace de jeu était important. Et c'est également un patrimoine immatériel de notre ville. Cet espace que certains pourraient considérer comme étant vide, c'est aussi et surtout un espace propice à l'organisation de différentes activités, que ce soit le marché du jeudi, le marché de Noël, le rallye, un cirque et toute autre activité qui pourrait voir le jour grâce justement à cet nouvel espace dédié aux citoyens et aux différentes ASBL. Voici la vue actuelle. Ensuite, bien évidemment, on va en profiter pour rendre le jeu de balle aux normes infrasport. Et ensuite, voici une vue de quoi pourrait ressembler le futur espace. Une vue ensuite actuelle depuis le kiosque. Et la vue projetée. Ensuite, mais donc c'est l'espace de l'Office du tourisme donc, qui fait l'objet d'un décret voirie. C'est pour cela qu'aujourd'hui passe, entre autres, ce permis et qui sera soumis au vote, puisqu'actuellement, cet espace fait partie du patrimoine privé de la ville et il sera rendu public. Et donc, un décret voirie doit s'appliquer sur cette zone. Donc une vue actuelle de l'Office du tourisme et la vue projetée. Donc le démantèlement de l'OT fera place à un espace convivial, un espace vert planté qui pourra rendre une meilleure lisibilité à l'espace Grand Place qu'actuellement. Donc voilà l'objet de l'enquête publique donc pour le décret voirie. Ensuite, nous avons un focus sur la Nationale 6. Donc, celle-ci a fait l'objet d'une CPSR et donc elle sera rendue en zone 30 par la mise en place d'un plateau une fois qu'on pénètre au sein de la Grand Place, de l'espace Grand Place. Et donc, on pourra avoir une belle uniformité entre la zone 30 depuis l'église jusqu'à l'école Saint-Gabriel. Donc, ça rendra une meilleure lisibilité de la vitesse sur cet axe. Donc, une vue, la vue de la situation existante et ensuite la situation projetée. Et enfin, dernier espace, donc, qui est l'espace coin d'eau. Et donc cet espace qui s'articule autour de fontaines a pu déjà faire ses preuves dans d'autres villes. On a également la part belle aux espaces de terrasse, hein, également à d'autres espaces de la Grand Place, et également une petite poche de stationnement à cet endroit. Voici la situation existante et la situation projetée.
Alors, c'est sous ce même espace que se situera un bassin de rétention d'une capacité de 1000 mètres cubes qui pourra récolter toutes les eaux en amont et qui évitera d'impacter les eaux au carrefour de la rue des Digues. Alors, voici une idée du type de mobilier urbain qui serait installé sur l'espace de la Grand Place. Donc, ce mobilier serait en acier corten pour rappeler d'autres types de mobilier que l'on a déjà mis en place, ainsi que l'esplanade au niveau de la gare. Et le principe serait d'avoir une ligne de conduite sur ce mobilier et de pouvoir répéter le même type de mobilier urbain à différents endroits de la ville et dans nos futurs espaces publics. Ce serait le type de lampadaire utilisé. Donc, ceci pourrait mettre en lumière différentes zones, puisqu'il y aurait différentes ouvertures sur le mât. Ensuite, le type de matériaux serait des grands pavés béton avec des joints différents. Mais vous pouvez déjà percevoir le type de matériaux sur l'esplanade à la côte à Ostende. Et donc, en résumé, donc ce sont 35 emplacements de parking sur la Grand Place. On y reviendra, 112 emplacements de parking au parking des Dominicains, 3 zones de stationnement vélo, 2 arrêts de bus de Grand Place, 32 arbres plantés en pleine terre, la création de plus ou moins 700 m² de zones vertes perméables et l'ajout d'un passage piéton dans l'axe de la Grand Place. Alors ici, avec l'aide de l'ADL, on a pu mettre en place un plan du marché pour montrer que tout fonctionne avec les nouveaux aménagements. Et donc les circulations en rouge que vous voyez s'afficher, ce sont les zones de giration des pompiers, de la zone de secours. Alors ensuite, pour le phasage, donc en bleu, vous avez la rue Grand Place qui serait la phase 1. Ensuite, nous avons l'espace Office du tourisme, jeu de balle, qui serait la phase 2. Ensuite, nous avons la zone verte, qui sera la future zone de fontaines et des terrasses, qui sera en phase 3. Et on terminera par la phase 4, qui est la nationale 6. Donc voici, encore une fois, une vue en plan du plan de la future Grand Place, une coupe du bassin de rétention sous les jeux d'eau, donc d'une capacité de 1000 m³. Enfin, donc il s'avère que suivant les différentes réunions qu'on a pu avoir avec les commerçants, il s'avère que la problématique du parking revenait fréquemment. Et donc c'est pour cette raison que d'une manière provisoire, nous allons mettre en place un parking qui ferait au total 112 places à l'espace des Dominicains. Donc ça c'est la zone actuelle et la zone projetée encore ensuite, Bernard, c'est un zoom. Et donc l'idée d'avoir au total 112 places supplémentaires. À cela, on rajoute l'acquisition future du parking P1 situé à la gare, qui est d'une capacité également de 110 places. Et alors également le retrait des zones de livraison dans la rue de la Station. C'était une demande des commerçants également lors de nos réunions. Elle n'était plus nécessaire et plus efficace. Et donc, il y a 17 places supplémentaires de par la suppression des zones de livraison dans la rue de la Station. Voilà, merci de votre attention. Merci, monsieur l'échevin de l'aménagement du territoire, donc Léandre, pour cette présentation de ce permis unique qui est déposé en vos mains, uniquement en fait pour l'aspect du décret voirie et donc du coup de la création de ce parc public sur la Grand Place, à la place donc de l'Office du tourisme. Qui souhaite la parole? Donc j'ai vu le conseiller Hubo, la conseillère de Debelair et le conseiller Damas. Pierre-Yves. Merci, Monsieur le Président. Alors,
je prends la parole peut-être avec une double casquette également en tant que membre de la commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité. C'était une réunion particulièrement intéressante et assez riche, à laquelle on a pu constater qu'il n'y avait pas d'opposition réelle au projet de la Grand Place, bien que du contraire. Tout le monde a pu constater que c'était un projet ambitieux en accord avec son temps. Et quelques réserves et quelques suggestions ont été émises concernant le parking provisoire, et je pense que ça allait dans l'intérêt global du projet. Donc, à un double titre, je pense qu'on peut remercier tant les services que les auteurs de projet pour ce beau cadeau qu'on va faire à la ville de Braine-le-Comte le plus tôt possible, on l'espère. Et je pense qu'on va pouvoir concurrencer des villes voisines qui ont des grands places aussi en plein renouvellement. Merci à tout le monde. Merci, monsieur le conseiller. Donc, madame la conseillère de Debelaire, Muriel. Alors, même s'il faut reconnaître qu'il y a des points positifs à cette grande place, nous maintenons notre vote contre du fait de ce parking, même provisoire, aux Dominicains. Oui, donc, moi, je suis un peu embêté. Hein. Je vous le dis avant de céder la parole au conseiller Damas, parce que pour moi, on mélange plusieurs dossiers. Et je veux bien que chacun se rende compte de la portée de ses votes. Donc ici, ce soir, nous votons simplement le décret voirie pour accepter la démolition, en somme, de l'Office du tourisme, le remplacement de l'Office du tourisme actuel par un parc, donc du vert, donc de la plantation d'arbres en pleine terre, et pour que ça ne devienne plus une propriété privée communale, comme par ailleurs on peut en avoir, mais que ça devienne un espace public accessible à tout le monde. C'est ça le vote de ce soir. Donc vous pouvez voter contre cela, mais rendez-vous compte que c'est contre cela que vous votez. Si vous êtes contre la création de places de parking pour les commerçants, alors que dans les réunions avec les commerçants, voire même certains messages subliminaux passés sur les réseaux, certains demandent plus de parking pour les commerçants, si vous êtes contre ça, l'idée d'avoir du parking pour les commerçants, ou si vous avez des alternatives, hein, si vous avez, je sais pas moi, un bâtiment qu'on pourrait construire avec des parkings en plusieurs étages, ça, évidemment, c'est le moment de le dire, mais en addendum. Mais en tout cas, ici, le vote, c'est uniquement sur la modification de la voirie au sens du décret voirie dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme. Ce n'est que ça. Donc, vous pouvez marquer votre désaccord sur la création d'un espace vert. C'est que ça. J'insiste. Monsieur le conseiller Damas. Mais le parking provisoire ne passe pas au conseil communal. C'est ça le problème, c'est que vous confondez. Alors je sais que certains se verraient déjà au collège ou se prennent parfois pour des membres du collège ou font mieux évidemment que les membres du collège. Et dès que les membres du collège font quelque chose qui va dans leur sens, ils arrivent encore à critiquer, à revenir sur leur déclaration du conseil communal précédent. Je ne parle pas d'écolo. Mais en tout cas, ici, ce n'est pas une prérogative du conseil communal. Le conseil communal a pour prérogative les décrets voiries, donc c'est-à-dire les ouvertures de voiries ou les ouvertures d'espaces au public. Ce qui est le cas de ce soir. Seulement, le problème, c'est que Maison de Verre, et qui donne trop d'informations, se fait finalement toujours taper dessus, surtout avec parfois l'opposition qu'on ne mérite pas ou qu'on mérite, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est qu'évidemment, on vous donne l'entièreté du dossier. Et parce que je pense que c'est important aussi que pour les citoyens, ils se rendent compte que dans le cadre de ce permis d'urbanisme, il y a effectivement, par ailleurs, des réponses qui ont été données à des questions qui ont été soumises. Donc, par exemple, dans les remarques de l'enquête publique, dans les remarques de la participation citoyenne, et j'ai jamais vu un engouement aussi fort aussi d'ailleurs des citoyens, dans les remarques des réunions citoyennes ou des réunions avec les secteurs, à savoir par exemple les commerçants que nous avons rencontrés deux fois sur le sujet, avec leurs propres propositions. Ils avaient fait d'ailleurs toute une série de demandes signées par énormément de commerçants, et nous avons répondu à une majorité de ces demandes. Et donc c'est important pour nous, je pense, parce qu'on ne l'aurait pas fait, on nous aurait posé la question, donc on vous répond en vous expliquant ce que l'on fait. Et tout cela fait partie effectivement d'un grand permis. On a lu de tout et n'importe quoi, hein, qu'on allait abattre les arbres qui sont notamment face à la rue des Dominicains. Vous l'avez vu peut-être dans le projet, et si ce n'est pas assez visible, on vous le remet. Mais donc, on n'abat pas, par exemple, les arbres qui sont en front de la rue des Dominicains. Justement, l'aménagement par le bureau d'études a été fait pour qu'il y ait le moins de nuisances par rapport au cadre de vie actuel. Mais par contre, qu'est-ce qu'on crée ? On crée du stationnement pour les commerçants. On peut décider ce soir de ne pas en créer.
idées. Moi, je n'ai pas de problème, mais je n'ai pas de solution alternative, malgré toutes les autres alternatives que l'Échevin vous a expliquées, notamment avec le P1 que nous allons récupérer. Ce sera dans le budget de la semaine, dans deux semaines, que je sais déjà par ailleurs que vous ne voterez pas par principe. Mais donc, du coup, on ne votera pas non plus pour acquérir la partie du parking Guechon qui va nous revenir. Donc, voilà, c'est un ensemble. C'est cohérent, c'est structuré, c'est à l'écoute, ça répond aux attentes, ou du moins à une grande majeure partie des attentes, mais il ne faut pas se tromper de débat. Voilà, c'était important, je pense, de le dire. Monsieur le conseiller Damas. Néanmoins, nous avons une position globale, et donc je vais tout mélanger, et je l'assume. Donc, vous avez d'abord parlé de la fois passée du fait qu'à l'époque, tout avait été voté à l'unanimité. Je tiens à rappeler qu'à l'époque, ce n'était pas le même projet et ce n'était pas le même budget. Bon. Alors, à l'époque, me permets de t'interrompre, à l'époque, je n'ai pas mis la DIA. Le projet était beaucoup, beaucoup plus minéral. Il n'y avait pas une seule place de parking et je pense que les arbres se comptaient sur les doigts de la main. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à l'époque. Mais c'est ce qui nous est reproché aujourd'hui. Alors, continuons. Bon. Nous sommes bien sûr favorables à un projet d'aménagement de la Grand Place, mais celui-là, nous ne sommes pas d'accord avec ce projet à cause de différents points. Et peut-être qu'il y a plein de différents points, je vais vous en citer trois. Et dans ces trois, il y en a certainement un qui a un rapport avec le vote d'aujourd'hui et d'autres qui ont un rapport avec des commentaires des citoyens que nous avons reçus et que nous vous transmettons. Voilà. Et donc, dans les différents points, il y a le remplacement des pavés par du béton, pour lequel on doit demander une dérogation. Et alors qu'on va produire de la pierre bleue à Braine-le-Comte, il y a la démolition du pavillon de l'Office du tourisme. Ça reste quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir un office du tourisme sur la Grand Place. Bon. Et la transformation définitive d'un parc en parking provisoire. Bon. Donc, on va faire un parking provisoire, donc on va abattre de façon définitive la partie verte, une partie verte. Une partie verte. Bon. C'est tout, nous avons... Ce qui serait dommage, allez, l'Échevin de l'aménagement du territoire va répondre, mais ce qui est dur, et je pense qu'il faut le comprendre et que tout le monde s'en rende compte. Moi, j'ai entendu énormément de gens ce week-end sur le marché de Noël. J'en ai rencontré énormément. Les gens ne comprennent plus rien au discours, au triple discours, au quadruple discours. Vous avez un représentant à la commission communale d'aménagement du territoire. Il est venu 15 minutes et il est autour de la table ici, sans devoir prendre du coup 15 minutes, sans devoir du coup prendre position. Donc c'est vrai que du coup, là, désolé Pierre-Yves, qui est membre assidu également de la CCATM, c'est vrai que si la personne était restée plus de 15 minutes, peut-être qu'ensemble aurait voté contre à la CCATM et que dans cette délibération de ce soir, on n'aurait pas mis, vu l'avis unanime de la CCATM. Mais la CCATM, je suis désolé, il y a des représentants du conseil communal. Et ce qui, moi, me commence sérieusement à me courir sur l'haricot pour rester poli et courtois, c'est qu'on a une position ici et puis on a une position sur les réseaux sociaux, totalement antinomique. Et puis, on a une position dans les groupes de travail, totalement encore en plus antinomique. Moi-même, je ne m'y retrouve plus dans ce que vous pensez. Donc, là, maintenant, vous êtes contre l'évolution du dossier de la Grand Place qui la minéralise moins qu'avant, parce qu'avant, vous préfériez ça, je note. Vous êtes contre la suppression d'un bâtiment excessivement énergivore sur la Grand Place, alors que par ailleurs, vous nous demandez de prendre des actions pour le développement durable et pour les économies d'énergie. Mais ça, vous laissez ce pavillon. Vous avez été ce week-end. Il faut aller à l'intérieur de ce pavillon. C'est incroyable. Vous avez vu comment vous déformez nos paroles. Mais pas du tout. Parce qu'on parlait de minéralisation. Par exemple, on a dit remplacement des pavés par du béton. On n'a pas dit plus ou moins minéralisé. On n'a pas dit qu'on voulait un projet plus minéralisé. Pierre-André, l'Office du tourisme, on vous a demandé les chiffres. On dit qu'il est super énergivore. On dit oui, mais c'est parce que c'est un chauffage électrique. Et il n'y a pas moyen de savoir, il n'y a pas de compteur spécial. On ne sait pas combien ça coûte.
Est-ce qu'on peut objectiver tout moi, j'ai ça pas de problème. On peut être d'accord avec une objectivation de ce genre de choses, mais dire c'est énergivore, c'est très facile. Alors on peut démolir tous les bâtiments, on peut quitter les bâtiments, on peut arrêter de stocker des livres au niveau du projet, même si ça vous gêne, et qu'au conseil communal, vous trouviez d'ailleurs que notre projet était séduisant, enfin un de vos collègues, mais que sur les réseaux sociaux, le groupe Ensemble se fend d'une publication sponsorisée disant que c'est débile et qu'il ne faut pas le faire. Moi, je ne comprends plus rien. Et donc ici, pour ce qui est de l'Office du tourisme, si on y revient, moi j'ai pas de problème à engager un bureau PEB et donc à mettre au budget des dépenses complémentaires. J'ai pas de problème à ce que sur la Grand Place, on mette de la pierre bleue sonégienne et qu'on fasse x3 dans les matériaux pour que vous nous disiez davantage, mon Dieu, mais que des millions encore dépensés. À un moment donné, il faut raison garder. Et par ailleurs, nous ne sommes pas seuls à décider parce qu'il y a aussi un fonctionnaire délégué de l'urbanisme qui lui aussi donne son avis. Il y a une commission du patrimoine, je ne parle pas du groupe de travail patrimoine, je parle d'une commission patrimoine qui donne également son avis. Ce projet prend du temps, mais il est l'exemple même. Et c'est là où moi, je tiens vraiment à ce que chaque groupe politique fasse un peu preuve de responsabilité et d'intelligence par rapport à tout ce qui se fait. C'est le projet qui a le plus écouté les citoyens, quel qu'il soit. Et le problème, c'est qu'on est face à une opposition qui est en dents de scie en fonction des jours. Et moi, je n'y vois plus clair. Nous-mêmes, on pense parfois en collège communal, quand on prend une décision, se dire, et en plus, ça va aller dans le sens de l'opposition, parce que c'est des remarques qui nous ont émises. On y répond, vous critiquez corps. Bah, à un moment donné, et basta. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va se retrouver dans une relation qui sera complètement fermée, en se disant, ça ne sert à rien de vous écouter, puisque de toute manière, vous allez être incohérent le mois suivant. Donc, moi, j'attends avec impatience, dans 15 jours, on va voter les budgets. Donc, on va encore entendre hein, qu'on dépense à n'importe quoi et tout ça, alors que par ailleurs, il fallait qu'on fasse des dépenses. Donc, bon, bref. Mais donc, bon, ici, vous vouliez qu'on rentre dans la majorité avec vous, ou bien vous vouliez avoir une opposition? Ce que nous voulons, c'est une opposition on peut rentrer dans la majorité, on votera avec vous, hein. Qui est cohérente. C'est juste là, c'est la cohérence. C'est la cohérence. Quand j'entends le parti, comme ça, on passe à un autre sujet. Quand j'entends le parti écolo dire qu'il ne vote pas pour un décret voirie qui va créer un parc, donc un espace vert, ici, au pied de l'hôtel de ville, sur une grande place qui va être davantage verdurisée, eh bien ça, je ne comprends pas. Par contre, qu'à côté de cela, le groupe écolo nous dise, par ailleurs, il nous semble dommage que l'on coupe X arbres d'une espèce quelconque, donc qui, pour la biodiversité, n'apporte rien. Ça, on trouve ça dommageable. J'ai aucun problème avec ça, parce que c'est cohérent. Mais ici, le souci, c'est que sur le dossier de la Grand Place, on lit tout et n'importe quoi. Il y a eu des fake news à tout ce qu'était. Et ça met tellement, tellement à mal tout le travail qui est fait dans tous les groupes. Dans tous les groupes, mais quand je dis les groupes, c'est même pas que l'administration, c'est la CCATM, c'est les réunions de travail avec les commerçants où ils ont fait des propositions constructives, où on les a écoutées, les avis qui nous sont remis par les citoyens. Cette délibération est l'exemple même, quand on regarde tous les considérants, c'est l'exemple même de toutes les personnes soit obligatoire, soit non obligatoire. Donc les commissions et autres, c'est obligatoire, mais aller à la rencontre des commerçants, aller à la rencontre de toutes les personnes qui ont remis des remarques. Et pourtant, la com, on en a fait. Hein. Et autour de ça, eh bien, tout ça, c'est non obligatoire. On l'a fait. On a écouté même vos remarques ici en séance, quand à l'époque, on en a déjà parlé, dans vos questions orales. Donc tout ça est pris sans cesse en considération. Voilà. Et donc, je n'ai pas de problème sur le fond qu'on ne soit pas d'accord. Le tout, c'est juste d'être cohérent dans l'opposition. C'est vraiment juste ça. Et je ne supporte pas l'injustice et je ne supporte pas les mensonges. Et pour moi, il y a soit de l'omission d'information, soit des mensonges. Et ça va un petit peu trop loin et je pense que j'ai le droit de le dire. Oui, et en ce qui concerne les chemins, Olivier Fievé souhaitait la parole, puis le conseiller Guévard dans l'ordre. Hein. Conseiller Guévard et puis la conseillère Anne-Françoise Petitjean et puis le conseiller Henri Gendry. Voilà, il fonctionne, je pense. Non, je serais presque tenté de dire que la seule parole sensée dans tout ce débat, c'est quand il a été dit que de toute façon, l'opposition ne sera pas d'accord. Donc peut-être que ça peut résumer beaucoup de choses. Et donc, à un moment donné, je pense que voilà, on a tous le droit d'avancer sur ce dossier. L'opposition fait son opposition. Ma foi, voilà,
y a des incongruités, ce sont des incongruités. Moi, je voulais juste rappeler, parce que c'était ça que je voulais dire, c'est que je suis un vieux mandataire, comme certains, et donc, en 2013, j'étais déjà autour de la table avec des citoyens. On était à l'hôtel d'Arambert, on nous a montré beaucoup de plans, et donc, je suis très content de voir que ce dossier a pris un chemin très concret et qu'il aboutit aujourd'hui. Et donc, on peut évidemment pinailler, c'est normal, hein, voilà, il y a une majorité qui présente un dossier et qui est un dossier, ma foi, bien ficelé. Je fais confiance à l'administration et à mon collègue échevin de l'urbanisme, Léon Druyard, en l'occurrence, sur ce dossier. Et donc, pour moi, ça résume tout. Après, qu'il y ait des jeux sur les réseaux sociaux, on connaît ça sur d'autres dossiers. Et je pense qu'il faut juste raison garder, prendre un peu d'élévation, sourire. Tout va bien aller. Cette grande place, elle sera magnifique. Et puis, sans doute que d'autres se prendront en photo sur cette grande place au moment opportun. Mais nous, on s'en rappellera. C'est juste ça. Merci, monsieur l'échevin. Monsieur le conseiller Guévard. Alors, d'abord, je voudrais rappeler que nous sommes évidemment favorables à quelque chose sur la Grand Place, une rénovation. Ce qui est proposé ne nous convient pas. Voilà. Alors, je voudrais quand même aussi mettre une chose au point, puisque vous avez parlé de la CCATM. Sachez en effet que j'ai participé à cette réunion. Je suis en tant que membre suppléant, donc invité à écouter et présenter les différents sujets. J'ai posé mes questions, j'ai fait mes remarques, mais n'ayant pas le droit de vote, puisque je suis membre suppléant et le membre titulaire étant présent, eh bien, je n'ai malheureusement pas pu assister jusqu'à la fin des débats. Donc, de dire qu'on a eu l'unanimité et que je n'ai pas pu voter, oui, c'est vrai, parce que je n'ai pas le droit de vote. Donc, je tenais aussi à rectifier ce que vous avez dit concernant donc, le vote de la CCATM. On n'a pas de représentant. Nous n'avons qu'un suppléant. Voilà. Mais donc, je suppose que tu t'es opposé dans tes questions au projet. Absolument. J'ai posé mes questions et j'ai fait des remarques, surtout sur la mobilité de ce nouveau parking avec 110 places. D'ailleurs, on ne sait pas d'ailleurs où ils vont être parce que j'ai beau retourner tout dans tous les sens, j'ai difficile à comprendre où ils vont faire ces emplacements, où ils seront rikiki, et les grands problèmes de mobilité que ça va engendrer. C'est simplement ça que j'ai remarqué, que j'ai fait remarquer à la CCATM. Oui, et donc je tiens à insister qu'aucune remarque négative n'a été émise sur le projet Grand Place. Après, je ne vais pas expliquer tous les débats qu'il y a eu. Donc certes, mais ça c'est marqué dans la délibé, hein, comme quoi les remarques étaient émises sur le parking provisoire. Mais donc personne n'a remis de remarques sur le projet de l'espace Grand Place et sur sa qualité. Donc, c'est sur la modification de la voirie selon le décret donc, du 6 février 2014, ce qui est l'objet de notre conseil de ce soir. Il y a quand même eu la question qui a été posée sur les pierres bleues. Hein, et la réponse a été donnée, c'est qu'en effet, vous alliez demander une dérogation pour pouvoir utiliser du béton plutôt que les pierres bleues. Donc ça a été posé. Vous avez répondu. Et également, des questions se posaient sur la mobilité avec la rue de la Grand Place. Donc, les questions ont été posées avec le sens de circulation, etc. Et vous y avez répondu. La conseillère Anne-Françoise Petitjean. Merci. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu des confusions par rapport à ce qu'on doit voter. Au point 10, si on regarde l'ordre du jour, rue Maillot-Étienne National 6, site de la Grand Place à Braine-le-Comte, aménagement de la Grand Place. Et puis, vous nous parlez de la démolition du pavillon, de l'office du tourisme et de cet espace vert. Et en même temps, la question qui se pose pour nous, c'est pour quelles raisons aller aménager un parking provisoire, alors qu'on parle depuis longtemps d'ailleurs de récupérer ce parking Guchon qui pour le moment est quasi vide. Donc, pourquoi aller faire ce parking provisoire et pourquoi l'avoir intégré ? Parce que d'une part, effectivement, selon les commerçants, ce n'est pas assez suffisant. Et d'autre part, c'est pendant la phase des travaux où la Grand Place va être amenée à avoir pas mal de mouvements en son sein. Et donc, c'est vraiment pour pallier à ce manque de place assez rapidement d'ailleurs. C'est pour ça que ce sera la phase zéro, si je puis dire. Donc,
puis dire, donc c'est l'aménagement de ce parking. Et on insiste sur l'aspect provisoire, parce que nous avons tous ici autour de la table la volonté de voir ce site évoluer positivement vers un espace de convivialité aussi, qui lui serait beaucoup plus végétal encore. Donc là, c'est tous, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur le mot provisoire. Ensuite, je reviens sur les pavés en béton. Donc effectivement, les pavés seront retirés, mais à notre demande, tous ces pavés seront nettoyés et stockés au sein même de la ville pour pouvoir les réutiliser dans d'autres espaces publics. Ça, c'est une chose importante. Et pourquoi on ne les a pas remis ? Déjà, d'une part, financièrement, c'était difficile. Et d'autre part, pour l'accessibilité au PMR, c'était encore plus compliqué. La seule solution aurait été de les mettre sur les espaces de stationnement. Mais on sait très bien qu'avec le va-et-vient des véhicules qu'il y a sur ces poches de parking, on aurait eu des défauts de fabrication assez rapidement avec le scellement des pavés qui se serait décelé, si je puis dire. Et ensuite, dans la démolition de l'OT, il faut voir également, certes, l'aspect énergétique, mais je pense qu'on aura une meilleure lisibilité de l'espace et voir surtout l'aspect positif qui est la création d'un espace vert supplémentaire au sein même de notre grand place et au pied de l'hôtel de ville. Donc c'est aussi cet aspect-là qu'il faut voir. Après, j'ai pu répondre non, c'est Angélique qui a pu répondre à l'interpellation du conseil dernier sur le futur de l'office du tourisme. Donc tout cela est encore soumis à débat. Mais donc, il n'est pas improbable qu'il se situe encore au sein même de cette grande place. Donc, je ne vois pas où serait le débat. Donc, voilà. Et après, je tiens quand même à dire, je ne l'ai pas dit, mais on a eu 32 réclamations sur ce projet. Ce n'est pas énorme. Et la quasi-totalité des réclamations ont pu trouver réponse dans cette délibération. Donc, voilà. Merci de l'avoir rappelé. Alors, monsieur le conseiller Henri Gendré et puis monsieur le conseiller Flahou. Comme nous avons parlé de la CCATM, je tenais à remercier, j'en profite de l'occasion, deux personnes de l'administration, madame Fenara et madame Mérès, parce que franchement, elles ont une patience d'ange et ce n'est pas toujours facile de contenir la virulence de certaines personnes à la CCATM. Alors, je dis tout de suite, Yves est très poli et très correct, donc il a bien posé les questions, et je le remercie parce qu'il répond toujours, et je remercie aussi les auteurs de projet, qui cette fois-ci sont restés plus d'une heure, et je remercie la présence d'un membre dans l'assistance, qui est aussi membre de la CCATM, et il aura l'occasion de certainement redire aussi à la CCATM ce qui a été débattu ici, puisqu'on en parle beaucoup, et il y a eu une abstention, c'est vrai, pour l'aménagement du parking provisoire, et bien dit provisoire, on le répète chaque fois, mais je pense qu'il y en a qui ne l'entendent pas très bien, et donc ce parking doit être un peu mieux aménagé par rapport à ce qu'il a été proposé et mis sur la table de la CCATM, et toutes les remarques ont été bien tenues compte par rapport à cette CCATM qui est très importante. Et j'aurais aussi un petit clin d'œil à Gérard Bavet qui dit aussi qu'il faut être très vigilant par rapport au patrimoine et aux découvertes qu'on pourrait toujours malheureusement ou heureusement, selon de quel côté on est, mais c'est plutôt malheureusement si ça retarde les travaux et heureusement si on parvient à retrouver du patrimoine historique. Mais je pense que les auteurs de projets ainsi que les entrepreneurs qui devront travailler seront vigilants quand ils feront les excavations et les travaux par rapport à la rénovation de cette grande place. Et moi, je tenais à remercier avec la casquette en étant trésorier du comité Tilburg, il y a maintenant Christophe qui est venu nous rejoindre et Michel Brancard. Le comité Tilburg a été entendu et les auteurs de projets. J'ai eu l'occasion de leur parler un petit peu avec la touche du ballodrome. Pour eux, c'était un fameux challenge et ils trouvaient que c'était la première fois qu'ils faisaient un travail qui mettait en valeur un patrimoine qui est fort oublié et qui dit qu'il va mettre en valeur avec les drones. On prend des photos, il dit vous allez pouvoir faire des montages photographiques et mettre en valeur votre grand place d'une façon tout à fait particulière qui est encore très rare en Wallonie. Il faut savoir qu'il y a moins de 250 ballodromes en Wallonie, de moins en moins. Il y a un charmant photographe artiste qui va faire la prom ici, qui sort un bouquin. C'est très intéressant parce qu'il y a toute une histoire et qui est liée par rapport à la balle pelote. Et ici, c'est le seul unique au monde où on livre de l'ancien hôtel d'Arambert. Donc, c'est vraiment un patrimoine à sauvegarder. Et je pense que Léon a bien répondu par rapport à la bière bleue. C'est vrai que c'est très joli, mais il ne faut pas non plus une copie conforme à la grande place de Soigny, qui est très belle, hein, ceci dit. Mais bon, avoir deux grandes places en pierre bleue,
Maintenant, d'expérience, la pierre bleue, c'est très beau, mais c'est très dangereux en hiver. Et donc, il faut que ça soit strié et tout, et très coûteux. Voilà, c'est tout. Surtout remercier par rapport au comité Tilburg et au Balodrome. Merci à vous. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller Flau, Jean-Jacques. J'espère qu'on te verra à l'image. Donc, tu es souffrant. J'ai du mal à mettre la jambe en même temps. Pas de souci. C'est difficile. Au départ, je ne comptais pas intervenir, mais j'étais un peu désolé d'entendre les polémiques qui se sont engendrées ici, parce que ce dossier est un peu le fruit de la méthode brennoise. Comme l'a rappelé Olivier tout à l'heure, on a initié ce projet en 2013 et il y a eu une continuité dans ce projet et je peux dire globalement un grand consensus dans ce projet. Certes, parfois les membres du Conseil ne sont plus les mêmes et parfois au sein même de certains groupes, les arguments sont parfois contraires à ceux qui avaient été développés antérieurement, mais ça c'est la vie politique, c'est comme ça. Et donc ici, je trouve qu'on a quand même un dossier que nous attendons depuis très longtemps. Quand on voit que les grandes places de Nivelles, Tubize, Soigny, et je ne pourrais encore continuer les exemples, ont été refaites, il était plus que temps que Braine-le-Comte puisse bénéficier aussi d'une rénovation qui est plus qu'un lifting, d'ailleurs, de sa grande place. Et donc, je peux comprendre parfois les objections qui ont été faites, mais je crois que, et d'ailleurs, Henri Gendré a bien précisé aussi des arguments qui plaidaient contre la pierre bleue, en dehors du côté du prix. Moi aussi, je peux rêver éventuellement de choses encore plus intéressantes, encore plus luxueuses, mais nous sommes devant une réalité et nous avons déjà beaucoup de chance d'obtenir encore des subventions dans une période où on sait très bien que la région wallonne, dans les mois, j'allais dire les années, non, les mois qui vont suivre, ne pourra plus guère subsidier aucun projet. Et donc, profitons du chat de l'aiguille, si j'ose dire, pour encore avancer dans ce dossier. Donc, mesdames et messieurs qui avaient des réserves et des réticences, c'est démocratique, vous avez le droit de les dire, mais je pense qu'un dossier, il avance, il doit avancer, et ici, il va avancer. Et donc, conservez vos remarques, on pourra sans doute encore avec le temps encore améliorer telle ou telle chose, mais voilà ce que je tenais à vous dire. Là, c'est un peu le doyen du Conseil en tant qu'ancien bourgmestre et au Conseil depuis 40 ans que je le dis. Merci. Merci. Merci, monsieur le conseiller, depuis 40 ans. Oh là là, c'est l'année prochaine d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce décret voirie ? Non ? Alors je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est d'accord donc, sur la modification de la voirie au sens du décret donc, du 6 février 2014 dans le cadre de la demande du permis d'urbanisme, donc pour la création d'un parc public sur la Grand Place ? Donc majorité pour, qui s'abstient ? Écolo ? Oui ? Qui vote contre ? Ensemble. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est un point travaux, c'est sur l'éclairage public, c'est le renouvellement de l'adhésion au service lumière pour 2023-2026 et c'est les chemins des travaux qui va vous présenter rapidement le point. Rapidement, oui. Merci, monsieur le bourgmestre. Donc, depuis 2020, nous bénéficions du service lumière, donc c'est en fait la gestion de l'éclairage public par ORES avec un système de forfait annuel unique, facturé par ORES de façon trimestrielle. Cette convention se termine au 31 décembre de cette année. Donc c'était une convention de 3 ans. Et maintenant, en fait, ORES vient vers nous avec une charte éclairage public que vous avez pu voir annexée de 2023 à 2026, donc pour 4 ans, avec un montant calculé selon des références. Donc en fait, ils ont pris les dépenses de 2019, 20 et 21. Ils ont fait donc une moyenne de ces dépenses. Ensuite, ils ont repris le même montant ils l'ont indexé
comme ça, voilà, pouvaient projeter dans les 4 prochaines années. Et ensuite, ils ont fait une moyenne pour arriver à un montant de 16 279 euros hors TVA, soit 19 697 euros TVA comprise, qui seront facturés. Alors, ça sert à quoi ? Ben, en fait, ça fait de l'entretien, des réparations, des dégradations, destructions et pannes constatées sur les luminaires, le câble d'éclairage public, les supports, les crosses et fixations, etc. Et donc, clairement, c'est avantageux pour nous parce que avant 2020, lorsqu'il y avait un défaut sur un luminaire, mais chaque fois, on allait de notre poche. Vous allez dire que cette fois-ci, on va essayer de notre poche, mais on allait de notre poche et au final, on arrivait à des montants assez faramineux et on les contrôlait, ces montants. Donc maintenant, grâce à cela, ben, ça va pouvoir, on peut être un peu plus libre aussi dans la réalisation et en tout cas dans la rénovation dès qu'on voit quelque chose. Et donc, n'hésitez pas à le signaler également puisque ça rentre à ce moment-là dans l'escarcelle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Léchevin, des travaux et de la lumière. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur le conseiller Guévard, qui doit récupérer le micro de chez Anne-Françoise. Voilà. Oui, bien, c'est une bonne chose, je trouve, mais j'ai quand même une question par rapport au fonctionnement. Est-ce qu'ils vous remettent régulièrement un rapport de ce qu'ils font ? Je me souviens avoir posé la question de l'éclairage à la Grand Place. Ben, je pense que l'amélioration ne s'est pas fait sentir. Donc là, ils ne sont pas intervenus, alors que bon, ils auraient dû le faire. Également, lorsque Guy et moi-même, nous avons relevé à plusieurs reprises la problématique de l'éclairage au carrefour rue Ferret, rue des États-Unis et rue Hector Denis. Aujourd'hui, l'éclairage est toujours éteint, alors que c'est un carrefour qui est extrêmement dangereux et complexe. Et donc, je me demandais, est-ce que Orez pourrait également, ou est-ce que c'est compris dans son objectif-là, de remplacer un luminaire important qui est défectueux par un autre, ou bien ça fait partie d'un autre travail, par exemple un plan lumière que la commune vote chaque année, met des budgets. Voilà, c'était ma question par rapport à cette problématique. Ta question fait la réponse, donc c'est parfait, c'est ce que tu as dit à la fin. Donc au final, il faut bien dire qu'ici, c'est dans le cadre de l'entretien, de la réparation, et non pas du renforcement ou en tout cas de nouveaux points lumineux. Pour répondre au niveau de la Grand Place, ils sont intervenus, ils ne trouvent pas la panne, ils doivent tout réouvrir. En fait, voilà, ils sont déjà venus plusieurs fois, ça a redémarré un petit peu, puis ça a été recoupé. Et donc ça, c'était la première chose, et d'ailleurs, c'est un des points que je dois soulever d'ailleurs, c'est pour ça que je veux absolument aller à cet AG que je disais tout à l'heure. Et alors au niveau de la rue Ferret-Hector-Denis, ben là on est vraiment dans un renforcement et même un placement nouveau, et là il y a une étude qui doit être faite. Alors c'est toujours le même principe, c'est une étude, et ensuite bien évidemment cette facturation sera indépendante de ceci, puisque ce n'est pas sur de l'existant, enfin si c'est de l'existant, mais c'est du renforcement, et on ne va pas pouvoir renforcer un seul éclairage si on veut faire le quartier correctement, en tout cas le carrefour dans sa totalité. Mais déjà, si on pouvait remplacer l'ampoule ou en tout cas mettre sur le poteau, mettre un halogène, enfin non pas un halogène, un LED, par exemple, de dernière génération, ce serait déjà positif, et pas laisser la lampe éteinte encore pendant tout l'hiver. Oui, donc d'accord, ok, mais il faut savoir aussi qu'il y a un plan de remplacement. Donc c'est pour ça que je répète, je l'avais noté en plus, c'est entre autres un des points, parce qu'en fait j'ai 17 points à voir avec eux, donc c'est pas un souci. Et alors, maintenant, voilà, je ne sais plus. Je devais aussi répondre. Il y avait une partie de ta question que je n'ai pas répondu, mais je ne sais plus. Non, il y avait la Grand Place. Non, si, évidemment. Si on avait des rapports. Oui, en voilà, effet, oui, rapports. Bien évidemment, puisque c'est grâce à ces rapports qu'ils arrivent à avoir la référence. Bon, forcément, ici, dans le calcul du forfait, mais il y a un rapport qui est joint à cela, bien évidemment, et c'est par rapport à ces interventions-là qu'ils arrivent à calculer le montant forfaitaire par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller. Merci, monsieur Léchevin. D'autres demandes sur ce sujet ou pas ? Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est pour ce plan lumière ? Unanimité, peut-être, ou pas ? Guy et Christiane, est-ce que vous êtes pour ? Oui, merci beaucoup. Alors, le point suivant, c'est une information. C'est rare, ça ne se fait pas dans beaucoup de communes, donc je préfère le dire moi-même. Mais donc, nous avons communiqué officiellement à l'ensemble des membres du conseil communal la liste de toutes les dates de nos réunions en 2023. Donc, vous avez vu qu'on a prévu 11 conseils communaux. Le décret en prévoit 10.
au minimum. Et donc, nous ferons ainsi vivre la démocratie locale en 2023 encore, et avec des dates qui sont connues à l'avance, ce qui est rarissime. Ensuite, le point suivant, c'est une présentation, ou Monsieur une le information. Vous voulez juste dire merci. Oui, merci pour le. Ça nous permet de faire nos agendas. Le Conseil commun est prévu quand? Est-ce que vous avez ça, on ne sait pas encore. Okay. Ça dépendra justement de la volonté de Pierre-André d'avoir quelque chose de beaucoup plus construit, et donc on prendra le temps de stratégique le faire. Sociale. Mais comme le Conseil de commun conjoint avec le CPS prend une bonne heure, nous préférons le mettre là où on a un conseil qui est plus léger. Or, vous vous rendez compte que de plus en plus, nous avons des conseils communaux très lourds et donc parfois indigestes. Et donc, voilà. Mais ça tournera probablement au dernier semestre. Donc, il reste deux possibilités. Ce sera soit le 25 septembre, soit le 16 octobre. Voilà, a priori, le 16 octobre. Alors, le point suivant, donc, c'est la présentation des travaux du groupe de travail santé, égalité des chances, bien-être animal et commune hospitalière, qui est présidé par une conseillère communale maintenant, Sabine Cornelius. Et donc, je vais lui céder la parole pour qu'elle puisse, de concert également avec les chevines responsables, vous présenter ses travaux. Si pendant ce temps-là, quelqu'un souhaite pousser la chansonnette. On a le GPS qui se met en route. Voilà, en tant que présidente, je vous présente le groupe de travail Santé, égalité des chances, bien-être animal, avec Ludivine, échevine de ces thématiques, et Olivier, qui est échevin de la thématique commune hospitalière. J'avais déjà présenté le groupe de travail lors du Conseil communal du 31 mai 2021, et donc ce soir, ce sera plutôt des actions qui ont été réalisées sur les années 2021 et 2022. J'ai mis aussi une photo sur la dia précédente, de réunions ici en visioconférence. Pendant la période Covid, nous avons continué à discuter, à échanger sur les actions. Et donc ici, voilà le sommaire où je vous présenterai donc les actions qui sont réalisées et puis les actions qui sont toujours en cours ou futures. Alors pour la thématique santé, pour les actions réalisées, il y a toujours la vente de brochettes de fruits au stand santé lors de la journée fête du sport au Champ de la Lune. On a aussi la distribution d'un flyer « Coupe ton moteur » aux parents des élèves des écoles primaires de la ville. Pour votre information, nous avons distribué 2000 flyers au sein des différentes écoles Ronquières, Ennuyères, Steinkerque, mais aussi l'école Notre-Dame et l'école Notre-Dame de Bonne-Espérance. Nous avons aussi le stand Prévention Sida qui est toujours présent lors du marché de Noël. Alors les actions en cours ou futures, toujours sur la thématique santé, on a une idée de proposer un fruit cyclette. Et donc l'action sera réalisée en 2023 normalement. On est toujours en réflexion, mais avec déjà de bonnes pistes sur la table. Alors aussi, des réflexions et des pistes d'organisation d'une conférence sur la 5G. Mais afin d'éviter que la conférence ne se transforme en débat, il est nécessaire de cibler la thématique et on fera appel alors à des experts qui seront avec des pour et des contre, mais toujours ciblés sur la santé. Et donc là, on avance aussi dans la réflexion. Alors, pour la thématique égalité des chances, dans les actions réalisées, il y a le questionnaire sur l'accueil de la personne en situation de handicap destiné aux établissements publics, commerce, école, services de la ville. Et là, on a quelques commerçants qui ont répondu. Ce n'est pas l'ensemble des commerçants, mais voilà.
Et les commerçants qui ont répondu sont en demande aussi de réponses. Donc, on poursuit notre action aussi pour apporter des réponses à ces questions. On a aussi une présentation du live cover par une personne extérieure, Véronique Visconti, mais qui n'a pas donné suite vu le coût quand même assez élevé de ces pochettes. Et alors on a une présentation aussi par un membre du groupe APDAF, c'est l'association des parents d'enfants déficients auditifs francophones. Et là, on va recevoir 2 ou 3 mallettes pour les crèches de la ville. Donc, ça suit son cours aussi. Et pour les actions futures, on va donner suite aux commerçants en demande de réponse là, pour la charte du commerçant et pour des propositions pour les personnes en situation de handicap. Plus fort, oui, je dois rapprocher le micro. Et alors aussi, on a une action en cours, c'est la projection d'un film Andy Gang, mais nous n'avons pas les droits d'auteur. Et donc là, on a d'autres pistes aussi d'organisation, plutôt des scénettes, où là aussi, on sensibiliserait la population sur les différences. Et donc voilà. Alors, la thématique bien-être animal, les actions réalisées, il y a différentes questions relatives aux animaux errants sur le territoire de Braine-le-Comte, mais là, les chevines est très présente dans notre groupe de travail et communique tout ce qui est mis en place au sein de la ville. Donc, ça reprend aussi tous les projets qui sont mis en œuvre par l'Udivine. Et la distribution des poules, les balades canines, et les membres du groupe de travail donnent les informations aux citoyens brénois. Alors, tout ce qui est action en cours ou futur, là, on poursuit aussi nos idées pour les informations via le Braine Notre Ville et les réseaux sociaux, mais ça suit son cours, quoi. Voilà. Alors, pour la commune hospitalière, là, c'est un petit peu plus difficile parce que les membres qui étaient présents au début de la mise en place du groupe de travail avaient beaucoup d'idées, mais au fur et à mesure des réunions, on ressent l'absentéisme de plus en plus de ces membres très intéressés par cette thématique. On a quand même essayé d'avoir des actions aussi en invitant un responsable de la maison d'accueil de la ville, mais ils ne sont pas en demande d'aide pour le moment. On a aussi on a contacté la présidente du CPAS en demandant aussi par rapport à l'accueil des personnes migrantes sur Braine-le-Comte, mais donc on n'a pas eu de suite d'actions vraiment concrètes. Et alors aussi, on a eu un état des lieux avec la secrétaire qui était en place à ce moment-là, puisqu'on a eu des changements ici récemment. Mais là aussi, c'était plus des informations, mais pas d'action vraiment concrète. Alors, nous constatons la réussite des actions au profit des citoyens brénois, c'est l'investissement de chaque membre selon une thématique de son choix. Puisque là, on est un groupe de travail avec 4 thématiques et bien sûr aussi selon les disponibilités. Moi, je remercie les échevins, mais aussi les membres politiques et citoyens du groupe de travail pour leur investissement, leur présence aux différentes réunions et leur contribution à la réussite des actions. Voilà quelques photos. On doit aussi mettre en évidence un commerçant brénois qui est toujours présent pour nous soutenir lors de la vente des brochettes de fruits. Et même le surplus de fruits ce jour-là, il est distribué aux enfants de la CASA. Donc tout ça est vraiment positif dans nos actions.
Voilà un petit récap sous forme de tableau, mais aussi notre calendrier où on voit qu'on se réunit 5 fois par an, au moins. Donc voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Sabine pour cette présentation et aussi par ce constat aussi du nombre de réunions qui se font par an. Je vais peut-être d'abord céder la parole aux échevins s'ils souhaitent ajouter quelque chose. Je sais qu'Olivier souhaite la parole probablement pour la commune hospitalière. Ludivine, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose. Je voudrais simplement remercier Sabine pour son dynamisme et sa volonté vraiment de toujours motiver les troupes. Et je remercie bien évidemment les membres qui sont présents aux actions et lors des réunions. Voilà, donc c'est un constat positif. Merci. Et donc l'échevin Piévé. Voilà, merci aussi à Sabine pour la présentation. Avec Bénédicte, comme présidente de CPS et moi-même, on voulait juste apporter une petite précision sur le volet commune hospitalière. Vous aurez compris que c'est une particularité, par rapport à l'autre type de matière qui était exposée. Il est évident que les actions que nous menons sont toujours bien réelles et tangibles. D'ailleurs, nous allons reproduire une convention d'accueil avec la ville de Soigny, pas plus tard qu'au prochain collège. Mais vous comprendrez qu'il y a aussi un devoir de discrétion en la matière. Mais je peux vous assurer que Braine-le-Comte, Bénédicte en a parlé d'ailleurs tout à l'heure dans le cadre des synergies. Nous avons énormément travaillé aussi sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il y a un gros travail de fond qui est mené avec les moyens que nous avons à l'échelle d'une ville telle que Braine-le-Comte. Et je pense que franchement, par rapport à la synergie que nous développons avec nos voisins et principalement Soigny, Braine-le-Comte n'est pas en reste. Mais c'est vrai que le groupe de travail, il y a plein d'enthousiasme, mais il y a une réalité aussi qui est la réalité d'un bénévolat et d'un associatif aussi, et d'un investissement qui est parfois plus compliqué. Mais ça n'empêche pas que l'administration continue son travail, bien entendu. Et c'est parfois compliqué, évidemment, de faire vivre cette matière. Elle vit par les actions que nous menons, mais elle ne vit pas forcément au sein d'un groupe de travail. C'est peut-être ça un peu la différence des matières qui sont développées par ailleurs. Mais voilà. Donc merci encore, en tout cas Sabine, pour la présentation et la collaboration qu'on a avec Ludivine aussi à ce sujet. C'est ce que je voulais ajouter, monsieur le bourgmestre. Merci beaucoup. Est-ce que des membres du conseil souhaitent ajouter quelque chose ? À part des remerciements, des félicitations, évidemment, pour oui, le travail. Oui, c'est ça, des remerciements, des félicitations. Et aussi demander si on peut avoir le PowerPoint, parce que d'ici, c'était vraiment très petit à certains moments. Okay. De toute manière, comme chaque fois, le lendemain du conseil communal, vous recevez un mail avec tous les PowerPoints. Merci de nous permettre de le dire. Pas d'autres remarques, donc c'est une prise de connaissance, évidemment. Et donc, merci beaucoup, Sabine, et toute l'équipe. Tu feras la porte-parole du conseil communal pour vous remercier évidemment de toutes vos actions visibles, encore pas plus tard que ce week-end, ici même à l'hôtel de ville. On va rester avec Sabine puisque nous passons donc aux questions orales. Nous avons reçu 3 questions orales donc dans l'ordre de leur réception. Donc, c'est tout d'abord la conseillère Sabine Cornelius au sujet de la problématique de la mobilité de l'accès à l'arrière de l'INDBE. Merci. Monsieur le bourgmestre, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les échevins et madame la présidente du CPAS, mesdames et messieurs les conseillers. En ce mois de septembre 2022, l'Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance, situé à la rue des Postes, 101 à Braine-le-Comte, a réorganisé l'accès à ses bâtiments aux élèves, à leurs parents ainsi qu'aux membres du personnel de l'établissement scolaire en veillant à la sécurité, la fonctionnalité et la bonne entente de chacun. Le parking situé à proximité de la grille de la cour de récréation de l'école est réservé uniquement aux élèves et aux parents se déplaçant à pied lors de l'attente de l'ouverture de la grille, permettant de se rendre à la section maternelle et aux endroits prévus pour accueillir les écoliers de la section primaire et également la sortie des étudiants de l'école secondaire. Le parking situé en façade du bâtiment est fermé à ses extrémités, ne permettant plus aux véhicules de se rendre au bâtiment de la Heila et de la Balade Arena. Après une semaine, les automobilistes
rencontrent des difficultés au niveau de la mobilité aux alentours de l'INDBE. En effet, face à l'établissement scolaire, les véhicules ne peuvent plus accéder à l'arrière du bâtiment, étant donné le sens de circulation de la rue des Postes. Une autre problématique se pose pour les camions, les moyens de transport plus volumineux qui ne peuvent manœuvrer en venant du bas de la rue des Postes et se confrontant au stationnement des voitures, empêchant d'emprunter le chemin d'accès permettant d'atteindre l'arrière du bâtiment de l'Institut Notre-Dame de Mont-Espérance, l'AELA et la balade à Rédin. En tant que conseillère communale de la ville, je me permets de solliciter votre attention sur cette situation problématique qui engendre des difficultés au niveau de la circulation et de l'accessibilité aux différents bâtiments. Voici la demande que je formule. Quelles pistes de solutions peuvent être envisagées par notre ville et ce, en concertation avec le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire concerné? D'avance, je vous remercie de votre attention et de votre réponse. Merci beaucoup, Madame la conseillère. C'est l'échevin de la mobilité, Léon Druard, qui va répondre. Merci beaucoup, Sabine. Alors, l'INDBE est maître de sa mobilité sur son site privé. Il est difficile pour la ville de les obliger à revoir leur plan de circulation interne. Effectivement, les aménagements récents ne sont pas de notre responsabilité. Ils ont été mis en place pour justement eux-mêmes pallier au fait que les gens court-circuitaient l'entrée du site en passant par l'entrée principale face à l'école, et donc ce qui dégradait fortement leur propre parking. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de barricader la liaison entre la voirie privée menant à l'arrière de l'école et le parking à l'avant. En ce qui concerne les accès au site de la ELA ou du hall de sport, ceux-ci sont possibles par la rue des Postes dans le sens autorisé. Parents, élèves, fournisseurs, participants aux activités sportives sont des habitués. L'accès est connu et le parking avant de l'INDBE n'a jamais été une voie publique, pas plus que l'accès vers la balade Arena. Pour ces raisons, il n'est pas possible de modifier le sens unique entre la rue de l'école normale et l'entrée du site, puisque le trafic complet n'aurait d'autre choix que de s'échapper par une voirie privée, ce qui n'est pas possible. Et si un double sens devait être instauré, ce devrait obligatoirement être entre la rue de l'école normale et la rue Georges Reynens, au détriment des riverains, par la suppression de stationnement dans la rue des Postes sur ce tronçon, mais aussi par l'augmentation du trafic de transit par la rue Reynens, ce qui est totalement contraire aux objectifs du plan de circulation du quartier voté à l'époque. Le trajet conseillé venant du nord est l'entrée par la rue des Postes et la sortie par la rue Mailleux. C'est dans cette logique que le nouveau feu sera prochainement placé pour permettre une intégration facile au trafic de la N6. Donc le carrefour national 6 rue Charles Mailleux va totalement être modifié dans les prochaines semaines. Dans le cadre de l'étude en concertation avec les écoles du plan de circulation de l'école normale, la proposition avait été faite d'inverser le sens d'entrée de la voirie interne du site côté rue de rue, ce qui ramène également le trafic de sortie dans le bon sens à la rue des Postes. Nous sommes de nouveau en domaine privé, donc sans mesure imposable par le pouvoir public. Le service mobilité a rencontré dernièrement le nouveau directeur de l'école normale pour préciser leur responsabilité à ce sujet. Il nous informait qu'il va augmenter sa communication à ce propos. De plus, s'il s'avère que la giration des convois plus volumineux est complexe, des interdictions de stationnement peuvent se mettre en place à droite de l'entrée de la voirie privée et peut se compenser. Donc cette perte de place peut se compenser sur des places fixes sur la zone de Kissenride à l'entrée du site également. Donc on n'aurait pas de perte de stationnement dans la voirie. Donc voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci beaucoup donc à vous deux. On continue avec les questions orales des conseillers, cette fois-ci avec Pierre-Yves Hubeau, sur la propreté publique et la réorganisation des services. Monsieur le bourgmestre, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les échevins, madame la présidente du CPAS, mesdames et messieurs les conseillers communaux, mesdames et messieurs, dans de nombreuses villes et communes, les citoyens se plaignent d'une propreté globale plus que moyenne,
voire douteuse. Les filets d'eau, voiries, trottoirs sont malheureusement dans un état lamentable et donnent une image peu reluisante de notre ville. Même s'il n'est pas contesté que les incivilités de certains puissent en être la cause, l'organisation parfois compliquée de nos services ne permet pas toujours d'arranger les choses. Nous avons à plusieurs reprises interpellé l'administration via divers canaux et il apparaît que de nombreux changements ont été opérés. En effet, depuis quelque temps, nous avons pu constater que plusieurs interdictions de stationnement ont été placées le long des voiries communales. Les équipes sont de sortie et nous avons pu apercevoir les balayeuses et hydrocureuses en plein ouvrage. Le service propreté a été réorganisé afin de promettre une meilleure efficacité. À titre d'exemple, lors de la dernière grève générale, de nombreux Brennois n'ont pas compris ou ne se sont pas suffisamment renseignés et n'ont pas rentré leur sac PMC. Certains de ces sacs ont été éventrés, mais merci à eux, les services ont effectué une récolte supplémentaire afin d'éviter que les déchets se répandent. Dès lors, pourriez-vous nous expliquer en quoi a consisté la réorganisation du service propreté ? Ressentez-vous la plus-value de ces changements et investissements ? Quel est le coût de cette opération propreté ? Pourquoi l'INBW n'a-t-elle pas organisé une collecte supplémentaire ? Notre ville peut-elle s'attendre à un quelconque retour de cette intercommunale suite à la récolte supplémentaire ? Concernant le nettoyage de notre ville, s'agit-il d'une opération one-shot ou pouvons-nous nous attendre à des interventions récurrentes ? Je voudrais clôturer cette intervention par un remerciement sincère en mon nom, mais également au nom de toute la liste Brenne, à l'ensemble du personnel du service travaux pour le travail effectué. Le travail se voit et notre ville n'en est que plus agréable. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. C'est les chemins de la propreté. André-Paul Coppens qui va répondre. Merci Pierre-Yves. Et donc, comme tu termines ton intervention en remerciant les services, ben, le service te remercie pour cette question parce qu'en fait, ils ont été agréablement surpris de recevoir cette question en disant « Chouette, on s'intéresse à notre travail et on va pouvoir montrer ce que l'on a fait et ce qu'on est encore capable de faire dans l'avenir. » Donc tout d'abord, ce qui est important de savoir, c'est de quoi, ou en tout cas de qui se compose le service de la propreté publique. Donc il faut savoir qu'il y a une équipe de 4 cantonniers qui arpentent les rues du centre-ville. On les voit avec leurs petites charrettes ou leurs aspirateurs de rue. Il y a un opérateur sur la balayeuse, c'est-à-dire un chauffeur, et nous avons 2 opérateurs sur l'hydrocureuse, qui elle est plutôt au niveau de travail sur les avaloirs et tout le système d'égouttage. Et puis ensuite, il y a 2 ou 3 agents opérant sur le vidange des poubelles publiques et sur le ramassage des dépôts clandestins. Alors, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité du service propreté publique, le staff a travaillé sur plusieurs leviers. Le premier, c'était la mise en place d'outils de contrôle interne, avec notamment des carnets de suivi des différents ouvrages et espaces à entretenir. Ces carnets permettent d'avoir un meilleur suivi sur la fréquence d'entretien et un contrôle sur l'état des ouvrages, car il est vrai que bien souvent, on ne passe jamais dans mon quartier. On n'est jamais venu faire l'avaloir. Ça permet bien évidemment au chef de service de pouvoir répondre directement aux citoyens en disant « Écoutez, nous sommes passés à telle date ou nous allons passer à telle date. » Les fiches d'identification de lieux où sont indiquées les actions et le contrôle à prévoir systématiquement. Bien évidemment, depuis, c'est pas la première fois que j'en parle, depuis les inondations, nous avons tous les points bas qui sont faits systématiquement au minimum une fois par mois et toujours les semaines qui précèdent les annonces de pluie importantes. Lorsqu'une intervention est planifiée, il est demandé aux agents de rapporter via des photos l'état avant et après l'intervention. Et donc on a vraiment un dossier maintenant par rue. Le deuxième volet, c'était la mixité des équipes, ce qu'on ne faisait jamais avant, c'est-à-dire qu'on fait des interventions avec plusieurs équipes, à savoir le passage de la balayeuse suivi de l'hydrocureuse en même temps, avec un renforcement des agents du service des espaces verts, notamment pour les actions de désherbage. Donc en fait, on bloque une rue complète ou un côté complet et on le fait en une seule fois. Troisième volet, la redéfinition des différents circuits de cantonniers à travers le centre-ville avec des objectifs de fréquence différentes. Donc en fait, il y a eu un relevé pendant 6 mois de voir un petit peu où les poubelles étaient plus vite remplies, etc., pour qu'on adapte ces passages. L'outil de planification permettant un meilleur suivi des signalements.
On a d'ailleurs une collègue qui est venue nous rejoindre et donc elle s'occupe justement de sortir automatiquement toutes les fiches en fonction des demandes citoyennes. Donc un engagement par des contrats de remplacement qui permettent de résorber en partie les manques d'effectifs et donc de tenir un bon taux de présence. Et enfin, l'acquisition de matériel plus adapté aux besoins. Mais là, vous le savez, ici, en conseil communal, on fait passer suffisamment de marchés pour montrer qu'on ne reste pas inactif. Alors, il y a incontestablement une plus-value tant pour le fonctionnement du service que pour le bien-être au travail du personnel, puisqu'on voit que quand ils travaillent en équipe comme ça, ils sont fiers du résultat. Et il y a un engouement vraiment général et on le ressent très, très fort au niveau de l'ambiance au service travaux. Donc, il ne s'agit donc pas d'un one-shot, je te rassure tout de suite, mais bien d'un fonctionnement pérenne qui doit être quotidiennement adapté en fonction des événements et des saisons. Ben, on veut pour preuve ce week-end avec le marché de Noël, mais bien évidemment, il y a dû avoir un renforcement des équipes aussi pour que la place soit belle chaque matin. Alors, il y a d'autres pistes d'amélioration. On continue à travailler également, notamment en termes de renfort de personnel, mais également au niveau des outils de gestion. Alors, petite parenthèse importante pour les citoyens, enfin en tout cas pour le conseil et les citoyens qui nous écoutent, c'est que pour l'instant, l'hydrocureuse et la balayeuse sont mises en hivernage. Donc en fait, elles sont en vacances, puisque une fois que la température descend en dessous de 3 degrés, eh bien, on risque d'avoir des dégradations aux machines et donc elles sont purgées et pour l'instant bien au repos à l'hangar 17. Voilà, comme ça, vous savez tout. À la question du coût de cette grande opération propreté, la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a une réorganisation générale efficace, ben forcément, on fait des économies d'échelle, puisqu'on déplace beaucoup moins de personnes. En un jour, on fait vraiment là un one-shot sur une rue en une journée. Et donc, on n'a aucun surcoût. Ça, c'est important par rapport aux frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, de toute façon, ils sont là annuellement. Donc, on n'a aucun surcoût par rapport à ça. Et on a une efficacité qui est beaucoup plus importante. En ce qui concerne la question du ramassage des PMC, bien évidemment, c'est une question d'environnement. Mais je me permets de répondre à la place de Léandre. Donc, le mercredi 9 novembre était jour de grève nationale à l'appel des syndicats, ça on le sait. Anticipativement, ça il faut le souligner, le service communication de la ville, via le site internet et les réseaux sociaux, a relayé l'information de l'INBOE annonçant qu'il n'y aurait pas de ramassage de PMC le jour de la grève et que celui-ci serait reporté à la collecte suivante, selon le calendrier INBOE. Nous invitions alors la population à ne pas sortir les sacs bleus. Quant aux sacs blancs, par contre, et organiques, qui sont les déchets ménagers, eux ont été ramassés effectivement par l'INBOE, puisque ce type de déchets fait appel au privé qui doit impérativement respecter son contrat. Alors effectivement, avec insistance, notre bourgmestre ainsi que l'échevin de l'environnement Léandre Huard ont demandé à l'INBOE de prévoir un ramassage le jeudi, soit le lendemain de la grève. Malheureusement, l'INBOE n'a pu répondre à cette demande, même s'ils ont essayé de trouver une solution, parce que malheureusement, cette semaine-là, 9 novembre, grève, 11 novembre, jour férié. Donc il y avait non pas un jour de récolte à récupérer, mais deux. Et là, ce n'était pas possible pour eux de pouvoir le programmer. Et donc, nous avons donc programmé le service travaux, une intervention en urgence. D'abord, le fameux 11 novembre, puisque le matin, on s'est rendu compte sur le parcours, le parcours était jonché de sacs. Il faut savoir aussi qu'un petit peu de vent ou un coup de pied s'est vite donné, et on se retrouve avec des déchets partout dans la rue. Donc, ça a été fait directement. Et ensuite, la semaine suivante, on a organisé une collecte vraiment dans les quartiers tout où on nous téléphoner en disant voilà, là c'est vraiment la catastrophe, et bien évidemment surtout le centre-ville. Il faut savoir que tout ça, ça a un coût, bien sûr c'est dans le fonctionnement, mais en tout cas dans l'organisation, on a dû réorganiser tout. C'était pas possible de le faire directement le vendredi, nous l'avons fait le lundi, mardi, mercredi, c'est-à-dire 3 hommes, 3 jours, 2 camions. Donc voilà, c'est important. Je mettrai d'ailleurs sur les réseaux une belle photo du monticule des PMC. Et bien évidemment, ces PMC ont été ramassés le 23 novembre par l'INBOE, ce qui a permis que ça reste dans la chaîne de recyclage classique.
Alors, ça me permet également, ton interpellation permet également de faire quelques petits rappels. Donc, nous sommes toutes et tous responsables de nos déchets jusqu'au moment de la collecte de ceux-ci. Donc, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on le dépose sur le trottoir qu'on n'en est plus responsable. Et donc, s'il y a un souci, on doit forcément veiller à ce que les rentrées, en tout cas, qu'il ne soit pas éventré. Respecter les jours de ramassage, c'est vraiment important. Et rappeler qu'on peut sortir son sac, mais au plus tôt la veille à 18h. Parce que voilà, il y a certaines habitudes qui sont prises et on se dit, bah, de toute façon, il y aura bien quelqu'un du service travaux qui passera gentiment ramasser la poubelle. Mais tout ça également, ça grève au niveau de l'organisation. Idem pour les poubelles publiques qui débordent trop souvent de déchets ménagers. Voilà, ce n'est pas un parc à conteneurs. Donc voilà, ça c'est important. Et alors, respecter les interdictions de stationnement, ça c'est vraiment une demande de l'équipe sur place qui sont placées 48 heures avant toute intervention du service propreté. Trop souvent, des voitures sont en stationnement le jour J et cause soit une perte de temps pour les équipes ou empêche tout simplement celle-ci de fournir un travail de qualité. Il faut savoir qu'on essaye au minimum d'appeler la police parce que voilà, c'est jamais agréable et que ça, chose importante aussi, il n'y a pas de stress. Si l'on part en vacances et qu'on a laissé son véhicule, il ne sera pas embarqué, il ne sera pas retiré. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va déposer les panneaux, là aussi c'est une nouveauté, on prend les numéros de plaques des véhicules qui sont en stationnement. Et donc, on vérifie cela. Voilà, merci à tous. Merci, monsieur Léchevin. Je me dois par justesse, par correction, mais par rapport à l'opposition, de rappeler que dans le ROI, la réponse du collège est de 5 minutes maximum et qu'on a très largement dépassé le temps réglementaire. Donc voilà, je devais le dire. Est-ce que monsieur le... Voilà. Ah. Monsieur le conseiller, est-ce que vous souhaitez prendre vos 2 minutes ? Non, je cède mes 2 minutes à André-Paul, je suis fait un petit crédit, parce que c'était super complet. Merci André-Paul. Merci beaucoup. Alors, dernière question orale de la soirée, c'est le conseiller Pierre-André Damas. Alors, on revient avec un sujet. Donc, c'est relatif à une question écrite d'un conseiller. Oui, lors du conseil communal précédent, j'avais évoqué une question écrite remise par un de mes collègues conseillers qui avait reçu une réponse surprenante. En effet, dans cette réponse, le collège estimait que le pointillisme de la question mettait en cause le travail de l'administration dans son intégrité professionnelle et s'écartait du règlement d'ordre intérieur. Nous avons reçu depuis les procès-verbaux des dernières réunions du collège. Nous remercions au passage le directeur général pour sa régularité dans cette transmission. Il apparaît dans ces PV que la réponse du collège qui a été transmise à notre collègue n'est pas celle qui a été adoptée en séance. Le paragraphe sur le pointillisme a été rajouté après la décision du collège et ne fait pas partie de la réponse officielle du collège. Donc ceci m'amène à me poser des questions sur le fonctionnement de la ville. J'ai toujours eu confiance dans le fait que les décisions prises par le collège étaient implémentées selon la volonté et les termes de la décision telle que reprise au PB. Or aujourd'hui, il me vient un doute. J'ai ici noir sur blanc la preuve qu'après une décision du collège, des personnes indéterminées modifient le texte tel qu'adopté. Ce n'était pas une note d'accompagnement du genre « veuillez trouver en annexe la réponse du collège, au passage, veuillez noter que… » etc. Non, c'était un texte présenté comme étant la réponse du collège à notre question, un texte adopté par l'ensemble du collège. Alors, combien d'autres réponses, combien d'autres décisions du collège ont-elles été modifiées après leur adoption ? Qui peut se permettre de faire fi des décisions du collège pour y ajouter sa touche personnelle ? Les décisions que nous prenons dans cette même assemblée, le conseil communal, sont-elles traitées de la même manière ? Devons-nous nous mettre à vérifier le courrier sortant de la ville et vérifier la réalisation de chacune des décisions ? Je dois dire que ce récent épisode a semé en moi le doute. J'en arrive à espérer que ce genre de comportement ne s'applique que aux questions de l'opposition, tellement l'impact en serait important. Merci, monsieur le conseiller communal, pour cette question qui est adressée évidemment au collège communal, mais qui sème le doute, non pas sur le collège communal, mais sur l'administration. Dès lors, exceptionnellement, c'est le directeur général qui va répondre, mais permettez-moi politiquement de regretter qu'une question orale de ce type, avec un côté tellement
malsain, oui, mais en plus, oui, parce que je me permettrai d'autres commentaires en huis clos, mais en plus avec ce côté suspicieux. Combien d'autres décisions ont été ainsi? Qui se permet? J'ai des preuves, noir sur blanc. Eh bien, on va vous donner du coup en séance publique avec IMIO, hein, notre IA Delib. On va vous donner donc d'autres preuves de la bonne, de l'intégrité des personnes, de la confiance que vous pouvez avoir envers toutes les personnes et d'arrêter une fois pour toutes ces genres de suspicions qui mettent à mal et mal à l'aise tout le monde. Monsieur le directeur général, je suis désolé de devoir vous donner la parole. Qui est basé sur des faits. Monsieur le directeur général, je suis désolé de devoir vous donner la parole. Merci, monsieur le bourgmestre. En fait, l'erreur vient de moi, donc je dois la confesser. Alors, pour pouvoir l'expliquer, je vais vous montrer par l'historique des points du collège communal, comment ça fonctionne. Et pourquoi est-ce que vous avez reçu en fait, le PV, enfin, c'est la version avant la version définitive. Donc, pourquoi? Donc, dans les points du collège, donc c'est le collège du 6 octobre 2022, on a l'historique. Et là, l'historique, forcément, il ne ment pas, puisque c'est tous les points qui sont modifiés au fur et à mesure. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'historique? Évidemment, il faut que je descende un petit peu ma souris. Bon, moi, je ne suis pas aussi habile que Maxime, enfin. Habituellement, je prends mes deux doigts, voyez-vous. Donc. J'y arrive tout de suite. Voilà. Donc, le collège, vous voyez, le 6 octobre 22, à 22h17, je clôture PV de collège. Alors, pourquoi je le fais après mon collège, le jeudi? Parce que, simplement, directement, mes points sont préparés pour que les équipes puissent faire le suivi du collège le lendemain. Et moi, par habitude, j'édite toujours mon PV de collège lorsque je l'ai terminé. Et donc, le jeudi à 22h, mon PV est clôturé pour moi et permet comme ça, étant accepté, vous voyez, c'est à gauche, accepté, les équipes, dès le lendemain matin, peuvent travailler sur les points. Et l'on voit effectivement le matin, enfin pas le matin, c'est après-midi d'ailleurs, ici, ma secrétaire, c'est elle, qui a en charge l'écriture de la lettre de réponse aux questions écrites, a intégrer la remarque du collège communal, puisque vous voyez directement dans sa réponse, pour cet effet, le 7 octobre à 14h07, on voit que directement, elle remet en première ligne la phrase, le texte exact du courrier. Donc pourquoi est-ce qu'elle fait le courrier, elle le rédige, et puis après, elle fait un copier-coller qu'elle remet dans le PV du collège. Donc, mon erreur, c'est que je n'ai pas réédité une seconde fois mon PV. Je l'ai enregistré et puis il est parti comme cela. Donc, derrière votre question, j'ai directement interpellé mon bourgmestre en disant ben voilà, je vais mettre en place un contrôle interne tout de suite, en manière telle que lorsque on vous enverra les PV du collège, il y aura un recontrôle par ma secrétaire, que ce soit bien la dernière version qui est envoyée. Comme vous voyez que ça a été fait le 7 octobre 2022, le collège suivant a bien validé le PV exact du collège. Voilà. Oui, donc, donc ça veut dire que ce sont des remarques qui ont été faites pendant le collège. En séance. En séance, et qui ont été notées comme étant un commentaire. C'est ça. Et après, qui ont seulement donc, été très intégrées. Clairement, le collège communal, si c'est ça la question, très clairement, le collège communal a voulu insister sur le pointillisme, oui. Donc a fait modifier le courrier en séance, parce que si on n'a plus rien, regardez vous-même, je veux dire, si on n'a plus rien à dire sur les notes IMIO, on s'ennuierait. Donc, en collège communal, on travaille énormément. Et donc, on a modifié le courrier en séance. Et puis, le directeur général a fait son suivi de collège, comme on dit, donc en faisant modifier le collège, sauf que le Word que vous avez reçu, c'est le Word qui est sur son disque dur et qui a été enregistré avant la modification qui, elle, a été faite par la direction générale, en sachant que la direction générale, elle, c'est ce PV-là qui, après, est auto-généré par IMIO, enfin, par le programme, et qui est auto-envoyé à la séance suivante du collège communal, et le collège communal valide ce PV auto-généré. Voilà.
Sauf que le directeur général, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sur son disque dur une version qui n'était pas la version finalisée du PV. Mais donc la version officielle du PV, approuvée par le collège en fonction des modifications du collège communal en séance et non pas après coup, est bien dans IMIO et tout ça est bien correct et tout est bon. C'est juste que le document Word qui vous a été transmis vient du disque dur du directeur général. Il ne le fera plus, il nous l'a promis. En fait, c'est parce qu'il veut trop tout vous faire tout seul. Je tiens d'ailleurs à m'excuser de cette erreur. Voilà. Non, mais bon, d'abord, on vous excuse bien volontiers parce que seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur, ça c'est clair. Donc, pour moi, je croyais vraiment qu'il s'agissait d'un membre politique du collège. Donc, je ne voudrais pas que cette intervention compte encore pour une remise en cause du travail de l'administration, ce qu'elle n'est pas. Bon. Donc, si on a fait cette intervention, c'est parce qu'on voudrait établir entre nous un mode de fonctionnement qui nous permette de poser nos questions sans être l'objet de remarques agressives et de l'autre côté qui permettent à l'administration de ne pas se sentir remise en question. C'est encore raté, voilà. Allez. Caramba. Mais il faut savoir que quand on pose des questions à l'administration, c'est pour demander des pièces et des documents. Nous avons notre rôle de surveillance de l'action politique, de communication envers la population et les citoyens, de nos différences de point de vue. Donc, quand nous posons une question, nous attendons des faits objectifs et des documents pour prendre connaissance des éléments factuels. Donc, on était étonnés d'avoir reçu ce paragraphe et d'autant plus étonnés qu'on ne le retrouvait pas dans le PV. Quoi. Donc, l'intervention est... Enfin, notre impression était quand même... Qu'il y avait un doute, hein, je suis désolé. Non, je n'ai pas à dire nécessairement Maxime, mais ça pouvait être n'importe qui, ou bien ça pouvait être... Il ne faut pas oublier quand même... Moi, je ne sais pas comment vous nous jugez. Enfin, si, j'ai bien compris maintenant. Mais c'est dingue, hein. Veille de Noël, il va falloir digérer ça. Hein. Mais je vous rappelle que le courrier qui est parti a été signé par le collège. Donc, il n'a pas été signé par ma main toute seule, il n'a pas été signé par un échevin tout seul, il n'a pas été signé par le DG tout seul, il a été signé par le DG et moi. Et le DG et moi, je peux vous dire, nous passons nos journées à vérifier tout ce que nous signons. Nous ne signons pas comme ça, à l'aveugle, où on ne met pas une griffe, où on signe. Et donc, signer, ça veut dire lire avant. Et donc, dites-vous bien que si le courrier a été signé par le collège, c'est qu'il était bel et bien conforme aux décisions. Maintenant, sincèrement, c'est ce que je voulais dire en huis clos, mais tant pis, je vais le dire en séance publique. Si vous avez une question de ce type, l'administration, elle est intègre, je le répète. Donc si, imaginons, un membre du collège avait magouillé, comme vous le présentez, l'administration vous aurait répondu à votre mail. Parce que, je le répète encore, quand il y a des échanges entre l'opposition et l'administration et la direction générale singulièrement, vous obtenez toujours réponse à vos questions. Une petite question écrite, même pas en me mettant en copie, hein, comme beaucoup de font d'ailleurs, en m'oubliant, mais juste une question en direct au directeur général en disant « Excusez-moi, mais là, je suis en train de relire le PV, je vois que nananana, que se passe-t-il » Le directeur général vous aurait répondu, d'abord, il aurait été alerté par ce problème et vous aurait répondu, comme il l'a fait sur sa route de vacances, il vous aurait répondu rapidement en expliquant les faits. Ça méritait, c'était tout, c'est bon, vous aviez vos apaisements, vous n'aviez pas en séance publique commencé à nous insulter et à jeter après l'opprobre sur l'administration. Quand je dis l'insulte, c'est de considérer que d'office, on est des magouilleurs et qu'il y a un membre du collège qui avait modifié le truc. Quoi. Non, il y a une différence entre un PV du collège et un courrier reçu, donc on vous interroge sur le fait qu'il y a... Oui, mais donc un simple mail à l'administration en disant, tiens, écoutez, excusez-moi, j'ai une dichotomie entre les deux documents-là. Expliquez-moi. Imaginons que ce soit une magouille des chevins, comme vous pensez, enfin, ou une magouille de bourgmestre. Mais forcément, que l'administration vous répondra que c'est une magouille. Tout est limpide. Ça vous dérange, je le sais, mais tout est limpide et transparent. Tout. Tout, tout, tout. Je dois même réexpliquer à la presse et aux journalistes que nos projets de délibération, parce qu'ils veulent des infos, tout se trouve sur le site web avant même. Je parle du conseil communal, évidemment, pas du collège, mais tout se trouve. Tout le monde a déjà oublié, hein, parce que c'est derrière. Nous avions demandé encore quelques documents. Je sais bien que l'administration est fort encombrée et que ce n'est pas facile de les digitaliser. Oui, de la faute au collège. Mais vous,
vous voulez, si vous voulez, je prends rendez-vous alors pour les aider à digitaliser la réponse d'YTEC. Je viens demain à l'administration pour avoir les documents. Vous n'avez toujours pas reçu ces documents? Oh, c'est un PowerPoint que nous avons reçu. On a reçu un WeTransfer. En WeTransfer. Alors, oui, enfin, excusez-moi, c'est la digitalisation. Oui, alors excusez-moi, parce que j'ai vérifié, peut-être uniquement mon adresse. Les chefs de groupe ont reçu un WeTransfer, j'en suis persuadé, parce que ça a été fait le lendemain. Non, alors c'est possible, parce que j'avais l'impression d'avoir reçu quelque chose, mais quand j'ai vérifié, je n'ai trouvé que le PowerPoint. Donc je retire ce que je viens de dire, je vais revérifier dans mon courrier. C'est peut-être encore un membre du collège. OK, ceci clôture donc la question orale. Oui, okay. Et ceci clôture notre séance publique du Conseil communal. Donc je remercie, comme à chaque fois, la cellule communication de la ville qui répond aux commentaires des citoyens qui se poseraient des questions pendant la séance. Je remercie évidemment l'ensemble de l'administration qui a préparé ce Conseil communal et la firme qui retransmet sur les réseaux ce conseil pour permettre donc une totale transparence, ce qui se fait dans de moins en moins de communes également. Et nous allons passer au huis clos. Merci beaucoup et bonne Saint-Nicolas demain.